merci pour nos invités. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Bienvenue sur le plateau de Ça se discute, comme chaque mercredi soir sur France 2. Ce soir, nous allons parler d'argent avec nos invités qui sont économes ou dépensiers compulsifs, gagnants d'un jeu de hasard ou rentiers, flambeurs ou radins à l'extrême, endettés ou fortunés. Avec eux, on essaiera de comprendre ce que traduit notre comportement vis-à-vis de l'argent. En France, l'argent reste encore un sujet tabou, surtout quand on compare avec nos voisins européens. Pour preuve, ces pourcentages, 47% des Français seulement acceptent de dévoiler leur salaire, contre par exemple 74% des Anglais qui en parlent sans aucune hésitation. Le tabou fonctionne d'ailleurs dans les deux sens. Trop d'argent, c'est tabou. Pas assez d'argent, c'est tabou aussi. L'argent peut-il rendre fou? C'est donc la question que nous posons ce soir à nos invités. Quel accueil votre entourage vous réserve quand soudainement la fortune vous sourit? Que révèlent les pulsions de ceux qui ne peuvent s'empêcher d'acheter, d'acheter, d'acheter? À l'inverse, que cache l'obsession parfois maladive de ceux qui sont incapables de s'offrir quelque chose ou d'offrir quelque chose à quelqu'un d'autre? Notre rapport à l'argent est-il directement influencé par notre éducation? Voilà les questions que nous poserons à nos invités. En commençant par Catherine Dauer. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Vous êtes une accro des promotions, une spécialiste des tarifs réduits, une dingue des offres spéciales. Mais vous avez une spécialité, Catherine, ce sont les offres étiquetées satisfait ou remboursé. Mmh. Satisfait ou remboursé, que vous traduisez par satisfait et remboursé. Tout à fait. Chez vous, tout est organisé donc pour dépenser au mieux, c'est-à-dire le moins possible. Vous nous expliquerez donc ce que cache selon vous cette traque permanente de l'économie, et puis comment vous organisez, puis comment vous faites. Ça vous prend combien de temps? Environ une demi-journée par semaine, à peu près. Et ça vous rapporte combien par mois? Il faut compter 1500 francs. Virginie, qui est également votre invitée. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Vous avez été élevée entre un papa, un grand écart, entre un papa économe, mm-hmm. extrêmement calculateur, et une maman dépensière, pas du tout calculatrice. Mm-hmm. L'un et l'autre sont plutôt excessifs, chacun dans leur domaine. Vous nous raconterez donc quel équilibre personnel vous avez trouvé entre ces deux modèles, mm-hmm. donc sur ces questions d'argent et la façon dont vous le gérez dans votre vie. Mm-hmm. Serge Dedecker est à vos côtés. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes riche, voire très riche, assez riche. Riche. Je suis bien dans ma peau. Oui, d'accord. Vous avez créé il y a plus d'une dizaine d'années un concept de bar-brasserie qui, au fil des années, a remporté un très vif succès. Aujourd'hui, près de 130 établissements sont franchisés sous votre marque et votre société se porte bien 500 millions de chiffres d'affaires chaque année. Votre train de vie personnel, lui aussi, n'est pas en reste. Vous êtes bien dans votre peau, comme vous dites. Vous nous raconterez en quoi cette richesse soudaine a changé votre vie. Quels nouveaux besoins vous vous êtes découverts? Qu'est-ce que vous faites concrètement de cet argent et quel équilibre vous avez trouvé depuis que vous pouvez dépenser sans compter? À vos côtés, Jeanne Masse. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir. On vous doit quelques grands tubes des années 80. Je vais pas revenir sur ces tubes, on les connaît tous. Des albums qui se sont très bien vendus et qui vous ont permis de gagner, vous aussi, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Vous nous direz comment vous avez profité de cet argent à l'époque, quel train de vie vous avez retrouvé depuis. Vous nous avez dit notamment que c'est quand on en a moins qu'on s'aperçoit qu'on en avait beaucoup. Tout à fait. Ouais. Je précise pour tous vos fans que vous serez à Olympia le 22 mai, que votre dernier album, qui s'appelle Désir d'insolence, vient de sortir. Celui qui aura la lourde tâche de conclure cette émission est à sa manière un spécialiste de l'argent. Il est journaliste et présente un lundi sur deux en seconde partie de soirée sur France 2, Argent public, Argent privé. On peut aussi l'entendre sur RMC tous les jours dans Controverse de 16 à 18 heures. Je demande d'accueillir mon camarade Sylvain Attal, s'il vous plaît. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Jean-Luc. C'est vrai que c'est assez récent que le service public ose parler d'argent à une heure de grande écoute, le lundi soir, en deuxième partie de soirée. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'une émission où on va directement parler d'argent avec ceux qui sont directement concernés? Effectivement, c'est déjà l'intérêt, c'est d'assister à une émission où on parle d'argent ou des gens qui parlent de leur argent. Parce que moi, j'ai plutôt la mauvaise habitude de parler de l'argent, des anonymes, de l'État, enfin des choses, c'est moins amusant. Non, peut-être quand même d'essayer de savoir pour soi-même comment ne pas devenir fou, parce que je crois qu'on a beau se dire qu'on a un rapport sain, surtout qu'on essaie de résister à la chose la plus horrible qui puisse arriver avec l'argent, c'est l'envie, je pense. On se dit quand même que ça peut arriver à tout le monde de devenir fou. Donc si on peut apprendre deux ou trois choses pour cultiver un rapport assez sain avec l'argent, c'est pas plus mal. Je présente ceux à qui nous avons consacré un reportage pour mieux comprendre leur histoire, en commençant par Anna Iris. D'origine russe, et Frédéric Paul, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Paul, vous êtes issu d'une grande famille française de tradition bancaire plutôt riche, franchement riche. Oui, riche. Du côté de ma mère. Du côté de votre mère, pardon. Ça peut suffire parfois. Absolument. Depuis 1997, vous travaillez à votre propre compte, uniquement pour le plaisir, pour vous occuper, pour vous distraire. Vous pourriez vivre de vos rentes. Anna, qui est à vos côtés, est votre épouse. Elle aussi est née riche d'une famille russe de banquiers.
Industriel et banquier. Industriel et banquier. Depuis 5 ans, vous êtes marié. Vous êtes les parents d'une petite fille qui a 9 mois, qui s'appelle Anne-Charlotte. On va regarder un résumé du reportage qu'on vous a... Oui, pardon. J'ai commencé à travailler en 95 et mes contrôles fiscaux sont arrivés en 97. D'accord, c'est les contrôles que j'avais notés surtout. Oui. Vous en avez combien de contrôles en route? 14. 14 contrôles. Professionnel ou personnel? Les deux, c'est pour ça que je n'ai rien à cacher. D'accord. Donc depuis 95, vous bossez. C'est-à-dire qu'avant, vous n'aviez pas travaillé? Disons, oui. Pas de manière régulière, je veux dire. Voilà, c'était plutôt des... Enfin, travailler, non, c'est pas le terme adéquat. Vous avez décidé de travailler. On peut même dire que votre occupation professionnelle vous rapporte rien. Ah bon, si. Excusez-moi, parce que je ne sais pas si vous parlez à moi ou si vous parlez au fisc. C'est pour ça. Non, ça me rapporte, oui. Ça me rapporte d'être redressé, mais non, ça marche bien en plus. Ça marche bien en plus. Ouais. Sinon, vous possédez combien d'appartements à Paris? Pas mal, 150. Ce qui permet donc un train de vie assez aisé, malgré les contrôles fiscaux. Voilà. On regarde un extrait de ce reportage qu'on verra un peu plus tard en intégralité. Merci de votre confiance. Moi qui habite la banlieue... Quelle banlieue ? Neuilly-sur-Seine. Hein. Oui. Ben, c'est pas si terrible que ça, la banlieue. Moi, je pensais toute une idée incroyable de la banlieue. Ben non, finalement, c'est pas mal. Hein. C'est voilà, monsieur Harris. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des amis pauvres ? Oui, bien sûr, oui, j'en connais, mais ils sont très sympas. Quand ils ne vous demandent pas d'argent, ils sont très sympas. Alors, il faut effectivement faire très attention, parce que quand ils vous demandent de l'argent, vous leur donnez, parce qu'après, s'ils ne peuvent pas vous rembourser, ils en arrivent, eux, à vous faire la gueule. Alors, non seulement vous perdez l'argent que vous leur avez prêté, vous perdez les amis. Donc, il faut être assez sévère avec eux. Il n'y a pas de belles choses ici. C'est pas tout ce qu'on voit ici, c'est pas élégant, c'est pas joli, qu'il n'y a pas de choses chères. Les couches culottes Hermès et les Tampax Gucci, ça existerait, elle achèterait ça. Mais ça me fait rire, c'est ça le pire, c'est que comme je prends tout au second degré, ça finit par me faire rire. Oui, vous avez pas mal d'humour sur vous, Frédéric. Je sais pas si ça vient de votre mère ou votre père. La banque, c'est de votre mère, l'humour. Ça vient plutôt de ma mère. Ouais. Ça vient plutôt de votre mère, tout vient de votre mère, donc finalement. Ouais. Marie-Ange et Philippe Alessi sont également nos invités. Bonsoir, vous avez failli arriver en cours de route de l'émission. Vous avez loupé votre train, enfin bon, vous êtes là. En 94, vous avez gagné près de 10 millions de francs au loto. Pour être précis, 9 696 975 francs. Vous pensiez que c'était des anciens francs d'ailleurs à l'époque pour dire que vous n'étiez pas prévenu qu'on pouvait gagner une somme pareille, une somme dont vous ne réalisiez pas l'importance, qui a totalement bouleversé votre vie, en positif d'abord, puisque vous étiez tous les deux au RMI, vous étiez même sous la menace de perdre votre logement, et puis en négatif aussi, puisqu'il y a eu de vrais traumatismes, des soucis de couple notamment. Vous êtes retrouvés séparés quelques mois après le tirage, pendant près d'un an. Vous nous direz pourquoi vous avez fait une petite escapade. Toujours moi. Philippe, toujours vous. Bon, et de manière plus générale, cet argent vous a vraiment éloigné de votre famille et de vos amis, même si ça va quand même mieux aujourd'hui. Mais vous dites que 7 ans après, votre vie de gros gagnant vous poursuit encore et vous poursuivra toujours. Un extrait de ce reportage qu'on vous a consacré. Alors les mecs. On attend que tu nous payes un coup, comme d'habitude. Putain, les mecs, vous assurez pas, là. Et on va pas payer à plus riche que nous, non? Et tu parles de moi, là? Moi, j'ai joué pour gagner. T'as réussi à acheter un truc, tant mieux pour toi. Ben bah, voilà, je me suis fait plaisir. Et ben, j'ai eu la chance de gagner, c'est pas de ma faute. On rencontrait des gens qui vivent normalement, qui gagnent leur vie normalement. Et puis alors, on est bien avec eux, tout se passe bien pendant un mois, 2 mois. Ensuite, ils nous demandent de l'argent. Et puis alors, quand on leur dit non, ils ne viennent plus nous voir, c'est fini, ils ne veulent plus rien savoir. Alors, on n'est pas accepté ni par les gens qui vivent normalement, ni par les gens qui s'enrichent. En fait, on n'est accepté ni d'un côté, ni de l'autre. Voilà, donc on ira un peu plus loin tout à l'heure. Vous nous parlerez donc des difficultés vis-à-vis de l'extérieur, comme vous l'avez dit en quelques mots là, mais aussi dans votre couple, liées directement à cette arrivée d'argent. Pascal Laine est également notre invité. Vous n'êtes pas riche, vous n'avez jamais été riche, Pascal. Mais pourtant, vous avez beaucoup dépensé et bien souvent, bien au-dessus de vos moyens. Pendant 10 ans, vous avez été une dépensière compulsive. C'est un terme médical, compulsive, c'est-à-dire de manière répétée et incontrôlée. Et aujourd'hui, vous essayez peu à peu de retrouver un rapport plus équilibré avec l'argent. Jusqu'à quelle somme vous pouviez claquer en quelques heures? 8 000 francs, en une journée. En achetant quoi?
Des vêtements. Surtout des vêtements. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous ressentiez au moment d'acheter? Est-ce que c'était un moment jouissif? Oui, de l'excitation, du plaisir, me sentir valorisée, me sentir importante aux yeux du commerçant. Hein. Ça a duré 10 ans de votre vie, entre quel âge et quel âge? 15 ans. 15 ans même, ouais. Ça a démarré à 18 ans. Ouais. Mm-hmm. Vous avez accumulé des dettes comme ça? Oui, oui. Jusqu'à combien? Beaucoup. Beaucoup, oui. Oui. Donc ce plaisir que vous ressentiez au moment d'acheter, est-ce qu'il était le même quand vous rentriez à la maison? Ah non. Quand je rentre à la maison, évidemment, je me dis, mais pourquoi tu as acheté tout ça? Mais à quoi ça va te servir, quoi? Alors chez nous, il y a la Garonne qui passait pas loin, donc je balançais souvent des affaires à la Garonne. J'en donnais à l'époque à des amis qui ne sont plus mes amis, bien sûr. Et puis je brûlais, voilà. Vous brûliez les vêtements? Après je les ai jetés. Ouais. J'ai eu brûlé les poches. Évidemment, je n'achetais que des marques. Hein, et vous les portiez tout le temps ou vous restiez non, toute nue? Jamais. Toute nue. Bon, des dépenses folles qui ont duré donc une quinzaine d'années. Vous disiez aujourd'hui, vous avez appris à mieux contrôler ses pulsions. Vous êtes guéri? En voie de guérison? En voie de guérison, oui, on va dire ça. Il y a un an, vous avez fait une cure de sommeil de 3 semaines en hôpital psychiatrique pour vraiment couper avec le passé. Vous avez accepté de recevoir notre équipe et de revenir donc sur ces années d'excès pour essayer de les comprendre et puis aussi de nous les faire comprendre. C'est un reportage pour ouvrir donc cette émission sur l'argent peut-il rendre fou, réalisé par Jean-Marc Borde et Olivier Martinet. Ça a démarré à l'adolescence et ça a continué jusqu'à il y a un an, jusqu'à ce que je sois hospitalisée. Je partais l'après-midi, acheter pour 8000 francs de vêtements, 500-600 francs de sacs, parfums, chaussures, etc. Quoi. Celles-ci, je les ai utilisées une fois, voilà, talons aiguilles, qui m'avaient coûté assez cher. Toutes les boîtes sont pleines de chaussures. Plus de la moitié, je les ai mises qu'une fois, robe de soirée. Haute couture. Ça vaut combien, ça? Ça, à peu près 2000 francs. C'est en soie, doublé. À peu près 2000 francs. Voilà. Je l'ai mise qu'une fois. Une petite jupe en soie, qui avait coûté extrêmement cher, avec un pantalon smoking. Un petit truc en plastique qui avait coûté très cher aussi, mais que j'ai mis que 2 ou 3 fois. Ce magnifique ensemble aussi, qui me plaisait beaucoup. Un tailleur, à l'époque. Voilà. Après, il y a eu ce... cette fourrure que je n'ai jamais mis, véritable fourrure, qui avait coûté extrêmement cher aussi. Voilà, 3500 francs à peu près. Je ne l'ai jamais mise. Donc pourquoi vous achetiez des choses que vous ne mettiez pas? Mais je ne peux pas l'expliquer sur le moment, je ne l'expliquais pas. J'avais envie de ça, j'achetais. J'avais l'argent, même quand je n'avais pas l'argent, j'achetais. Après, je revenais chez moi, je me disais, mais tu n'as jamais aimé la fourrure, pourquoi tu allais acheter quelque chose en fourrure, quoi? Je me l'expliquais pas, quoi. Alors les bijoux, là aussi, il y a eu la grande période de folie. Cette montre, je me l'étais payée quand j'étais étudiante à Toulouse. Et elle est en argent massif, extrêmement cher. Voilà. Mon mari, je lui avais payé cette montre, presque 3000 francs. Et quand on a voulu se marier, donc j'ai acheté cette alliance. Voilà, ciselée. Après, j'ai acheté un demi-doigt en diamant. Voilà, qui était dans un magnifique écrin. En forme de cœur. Et à mon mari, je lui ai acheté aussi sa bague de son alliance. Il n'était même pas au courant. Quand on s'est mariés le 7 octobre 2000, je n'ai pas voulu justement que ce soit nos alliances. Mon mari s'est acheté sa propre alliance en ma présence. Et moi, j'ai acheté une autre alliance, donc celle-ci. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Oh, je pense que vous vous rappelez de moi. Tout à fait. Je me souviens de votre excitation. Eh, tout à fait. La première fois. La première fois, tout à fait. C'était flagrant. Mais ouais. Moi, j'étais obligée de vous vendre. Mais bien sûr. Je ne pouvais quand même pas garder mes vêtements alors qu'ils sont là. Bien sûr. Vu que je voyais les vêtements s'entasser, on se demande toujours comment ça va être réglé. Et quand il y a une grosse somme, c'est un peu le problème. Mais... je pense que ce sont des choses qui peuvent arriver. J'en suis la preuve vivante, oui. Je pense. Oui. De toute façon, c'est un problème féminin. Je crois que les achats impulsifs ça, quelquefois, sont là pour récupérer un moral qui ne va pas. Ou... bon, là, c'était quand même beaucoup. Il y avait beaucoup d'articles. Hein. C'était
Une tenue bien complète. Oui, oui, très complète. Bonjour Pascal. Bonjour Madame Tari. Ça va? Oui, merci, ça va mieux. Le produit te va très bien. Ça va très bien, oui, voilà. Ça, c'est vrai que ça te va très bien. Ça me réussit, oui. Ça te réussit. Oui. Elle avait une forte poussée d'eczéma et elle venait prendre des crèmes. Elle me disait, vous les marquez. Je les ai marquées. Comme je l'aime bien, tout ça, je ne lui ai jamais dit, tu me dois déjà de l'argent. Et puis, elle prenait... des produits de beauté. Oui, si vous les avez, je vous les marquez. Oui. Et puis, je ne l'ai plus revue pendant au moins 6 mois. Voilà. C'est pas que je voulais pas payer ni plus. Non, mais tu. J'avais honte de revenir et de dire oui. T'as laissé 6 mois comme ça avec une dette à la pharmacie des gens que tu connais, que t'estimes. J'avais une honte, je sortais plus de la maison, quoi. C'était. Oui, voilà. La oui. parano complète. Alors j'ai dit à sa maman. Et Pascal. Pascal est toujours là. Alors elle m'a dit oui, elle est là. Pourquoi? Ça lui a fait tilt. Elle m'a dit oui, Pascal en ce moment a des problèmes. Et elle m'a dit pour lui rendre service, surtout ne lui donnez plus rien à crédit. Oui. Combien de magasins, combien de dettes? 8 magasins. Et le montant de la somme pas loin de 35 000 à l'époque, même un peu plus de 35 000 à l'époque. Vous aviez une moto quand vous avez conduit Pascal? Oui, j'avais une moto, un 850 TDM. Et pourquoi vous l'avez plus aujourd'hui? J'étais un peu obligé de la vendre. Parce que par rapport à Pascal, bon, il nous est arrivé quelques petits soucis d'argent à cause d'elle. Ça va, papa? Oui, et toi? Oui, ça va, mignon. Oui, ça va, papa. Pascal, qu'est-ce qu'il disait votre mari quand vous reveniez à la maison avec des vêtements, des housses de couette J'arrivais à bien le cacher, jusqu'au jour où il se rendait compte que je commençais à aller moins bien, j'étais moins euphorique, moins dans la joie. Et là, il avait un doute. Il me disait, je te sens pas très bien, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ça a recommencé. Tu as fait des bêtises à nouveau. Tu as redépensé. Et là, c'était un non catégorique. Je lui disais non, non. Là, non. C'était un non catégorique. Non. Ah voilà. Non, je n'ai rien fait. Non, surtout rien fait. Pas avec ce que j'ai fait déjà. Je ne veux pas le refaire. Et alors, ça commençait chaque fois comme ça. Et à partir de là, bon, comme elle avait accès à mon chéquier, après, le soir, quand je rentrais, je regardais systématiquement. C'est beau. Pascal, vous l'avez un peu délaissé à une époque, votre enfant? Ah oui, il n'existait plus. Là, c'était catastrophique, quoi. Plus à manger, plus s'en occuper, le laisser. Je l'aimais, mais je pouvais plus, quoi. Je pouvais pas. Il y avait mon problème qui avait pris trop le dessus, quoi. J'étais omnubilée par ça, quoi. J'achète. Pour des personnes différentes, à une naissance, tiens, je vais acheter 1500 francs de layette, voilà. Voilà. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois, ça. Un nouveau-né arrive avec une paire de chaussures, plusieurs layettes. Voilà. Bon, pour un nouveau-né, on vient, enfin, d'habitude, on vient avec une layette et un petit body, quelque chose, ou un nounours. Bon. Mais là, pas arrivé avec 50 choses, 10 nounours, des chaussures, 10 layettes. Et ça, c'est le style de Pascal. Enfin, c'était le style de Pascal. Allez, pose-toi. Ah. Alors, où tu en es, ma chérie? Bon, mais ça va. Ça se voit. Tu as bonne mine. Oui, voilà. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile? L'hospitalisation elle-même ou simplement le fait de me téléphoner un jour? Non, pas ça. Complètement affolée, me disant, Jean-Luc, ça va plus. C'est... Non, pas ça. Le fait de te téléphoner, il le fallait parce que j'avais énormément confiance en toi. Donc, je me suis dit, il n'y a que lui qui va me dire à un moment donné, bon, il faut t'hospitaliser, il faut faire quelque chose de actif, là, il faut agir. Tu savais que ça allait finir. Je le savais. Et puis, non, ce qui m'a fait peur, c'est le milieu où je me suis trouvée, quoi. Le service où j'étais, bon, mais en neuropsychiatrie, il y a de tout, quoi. Ça t'a permis de prendre conscience que ton degré de maladie était quand même inférieur. Oui, voilà. Et que justement, d'en avoir parlé, t'as permis dans ta tête de faire le tri à partir du moment où tu as vu ce que c'était d'autres personnes beaucoup plus malades que toi. Tout à fait, oui. Que c'était accessible à un traitement, et la preuve en est là.
Rentre, vas-y. Et alors? C'est comme ça qu'on reçoit sa cousine? Salut. Ça va? Ouais. Salut. Salut, Pascal. Allez, ça vas-y. Va ouais. Bon, viens boire le café, on s'invite. Hein. Ben, ça va mieux, hein. On ouais. va voir quand même. Ouais, ça va beaucoup mieux, oui. Hein. T'as pu en parler quand même, tu as osé en parler. Il m'a dit, mais voilà, il faut que je t'explique, il faut que je te raconte. J'ai fait des achats inconsidérés, ça a commencé il y a très longtemps, je l'ai caché à tout le monde, mes parents, mes amis, ma famille. Il m'a dit, mais tu peux pas t'imaginer ce que j'ai pu faire. Moi, un sucre. Merci. Non. Quand je faisais les achats, j'étais toute seule. C'est ça, on n'a jamais fait, par exemple, les boutiques ensemble. Oh, jamais. Toi non plus. Jamais. Elle m'a jamais dit, viens, on va faire les boutiques, on va se balader entre amis, on va acheter quelque chose. Non, jamais. Jamais, c'est exact. On n'a jamais fait les courses ensemble. Il y avait double personnage à moi qui me disait, achète ça. J'avais l'impression, mais ça c'est bizarre à dire, hein. Maintenant c'est très bizarre, ça me fait un peu mal. Il y avait une diable à moi, quoi. Qui avait une voix intérieure qui me disait, achète ça, fais ci, achète-le, c'est plus cher, c'est encore plus cher, achète-le, vas-y, quoi. Mais c'était impressionnant, moi j'avais peur même, quoi. C'est une pulsion, c'est pour ça. J'avais l'impression que j'attendais cette voix à moi qui me disait, achète ça, oui c'est cher, vas-y, achète-le, quoi. Et puis, mais c'était pas moi, quoi, c'était quelqu'un d'autre qui agissait, qui signait les chèques. Je signais avec une facilité, mais déconcertante, quoi. J'arrachais des chèques, pim pam, on aurait dit un banquier qui poum poum. C'était de la folie. Oui, oui. La folie pure. La folie. Pas douce, mais folie pure et puis dangereuse, quoi. Ouais. Voilà, je me sentais dangereuse. C'est ça le terme exact. Ouais, ça partage. Qu'est-ce que vous regardiez aussi fixement? Comment? Qu'est-ce que vous regardiez aussi fixement? De se voir à l'écran, c'est toujours... C'est la première fois que je me vois à la télé, donc... On s'habitue. On s'habitue, oui, je n'en doute pas. Oui. Vous avez encore des pulsions? Non. Vous avez été dangereuse, vous n'êtes plus... Vous sentez plus dangereuse? J'ai des envies, ce qui est différent. Ouais. Comment elles s'expriment? Bon, ben tiens, je me dis, tiens, il pleut aujourd'hui, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'embarque mon fils, et puis... On va se balader, mais c'est une envie d'aller se balader. Quoi. Ah oui, c'est pas une envie d'aller acheter. Non. D'accord. Non. Comment ont commencé vos premières virées, donc à la fin de l'adolescence, vers 18 ans? Alors, à 18 ans, mes parents étaient partis en vacances. Et puis, je reçois un coup de fil. Allô, vous avez gagné un petit poste radio. Ah, je dis super, un poste radio et tout. J'arrive de suite. Je prends la voiture, j'arrive au magasin. Et puis, il y avait un beau canapé en cuir qui me plaisait. Donc, je me suis dit, tiens, tu pourrais l'offrir à tes parents. Ça part toujours d'une bonne intention, quoi. Au départ, c'est souvent une offre que je vais faire à un ami, à une proche famille. Et puis, bon, effectivement, le vendeur a vu que j'accrochais un peu. Et il me dit, avec la remise, etc., 35 000, c'est pas cher. Hein. Oh non, c'est pas cher. Très bien, je l'achète. Donc, j'ai versé un chèque d'acompte de 7 000 francs. Et puis, je suis partie. Donc, il manquait quand même le reste de la somme, quoi. Puis, de retour chez moi, j'ai dit, mais tu as fait une connerie, là. Tu as fait une bêtise, quoi. Comment tu vas faire? Bon, j'ai pensé, repensé. Mes parents arrivent 15 jours après. Tout s'est bien passé, me dit mon père. Oui. Et puis, j'avais du mal à en parler, quoi. Hein. Et puis, au bout d'une heure ou deux, mon père me dit, qu'est-ce qui se passe? Je te sens pas bien, là. Ah, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Alors, la grosse bêtise, bon, mais voilà, hein. Un achat, voilà, comme ça. Donc, avec mon père, on est retourné au magasin. Impossible de retrouver la personne qui m'avait fait signer le bon de commande. C'est passé au tribunal. Et pour la somme de 7 000 francs, si vous voulez, qu'on n'a pas récupéré, j'ai eu droit à deux tables, deux salons, plus un miroir qui sont chez moi, quoi. D'accord. Et voilà. Pourquoi vous avez continué? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quel plaisir vous avez trouvé la première fois? J'ai travaillé dans un lieu, si vous voulez, j'ai travaillé au Club Méditerranée. Donc, mon premier village, ça a été Marbella. Alors, le luxe... Vous n'allez pas nous faire la pub du club. Le luxe, les belles affaires... Le sexe, de suite, ça y est. Le luxe, OK. Le luxe, oui, le luxe. Bon, bref, vous comprenez, hein. Donc là, pareil, j'ai acheté. Et ma solde de Géo, bon, je l'ai craquée en deux jours, quoi.
En deux jours, j'avais acheté à Marbella. C'est-à-dire que le luxe est contagieux. Oui, oui. Ouais. Ah oui, 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 oui. Alors après, bon, je suis allée en Bulgarie. Alors là, c'est sûr qu'en Bulgarie, bon, à part les ânes et les carrioles, il n'y avait pas, oui, pas grand-chose à acheter. Ouais. Ça a son charme. Mais bon, j'étais au bord de la mer Noire, il n'y avait rien à dépenser. Bon, là, je suis rentrée à Paris à la bourse avec un peu de sous. Bon. Mais le peu de sous que j'avais, bon, mais voilà. Vous avez dépensé très vite aussi. J'ai dépensé très vite aussi. Oui. Comment ce besoin là, que vous avez répété pendant une quinzaine d'années s'exprimait? Est-ce que c'était un besoin qui montait lentement? Non. Ou est-ce que c'était le fait de vous promener dans la rue, de passer devant une vitrine et puis de un acte complètement impulsif? Je m'ennuyais. Je m'ennuyais, donc j'étais chez moi, je me disais, tiens, tu peux aller faire les boutiques. Bon. Ouais. Alors, je mettais mon plus beau tailleur, je me maquillais très très fort, j'allais à la ville la plus proche de chez moi, et puis j'allais, j'achetais, quoi. Mais vous achetiez, à quel moment vous disiez stop? Ah, je disais pas stop, quoi. Tant qu'il y avait de l'argent, j'achetais. Mais... tant que j'avais la souche du chéquier qui était pleine, j'achetais. Ouais. Il m'est arrivé de dilapider un chéquier en un mois, quoi. Il y a 56 chèques dans un... C'était... Tant que j'avais du liquide, j'achetais, quoi. Une jeune fille qui portait à côté de vous, si vous voulez, ouais. Comment expliquer qu'un chèque, c'est pas forcément... Enfin, je veux dire, c'est qu'un chèque... correspond à une somme qu'on est censé avoir sur son compte, normalement. Non, moi, je ne comprenais pas ça. Ah ouais. Vous ne compreniez pas ou vous ne vouliez pas comprendre ça? Je ne voulais pas comprendre. Ouais. Vous avez beaucoup de dettes encore aujourd'hui. Mais comment je vous... n'ai plus de dettes aujourd'hui. Vous n'avez plus de dettes aujourd'hui? Non. Non. Mon dernier crédit, je l'ai soldé en janvier 2000. D'accord. Pendant très longtemps, vous avez caché tout ça à votre entourage. Quelle ruse vous avez employée pour à la fois cacher le stock qui entrait et cacher l'argent qui sortait? Alors, l'argent qui sortait, bon, le banquier appelait souvent le matin à 8h. Donc, je rusais jusqu'au jour où j'ai rencontré mon mari. Et bon, réveillé à 8h du matin, oui, allô, c'est la banque. Ah, oui, je vous la passe, ne quittez pas. Moi, j'étais au lit, moi, tiens, endormie. Bon, oui, oui, d'accord. Ça, plusieurs fois, c'est arrivé. Et puis, je cachais. Alors, sous le lit, au fond de la penderie, au grenier. Alors là, le grenier, c'était... Je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui est extrêmement responsable aussi de tout ça. Qui? C'est le banquier, tout simplement. Parce que le banquier devait être au courant des problèmes que madame pouvait avoir. Et à chaque fois, il prêtait d'une manière inconsidérée. Le banquier ne vous rendait pas service du tout en faisant ça. Tout à fait. C'était facile. Enfin, monsieur a tout à fait raison. Ouais. Parce que dans la banque où j'étais, dans ma principale banque, mon père avait été banquier dans cette banque pendant 10 ans à peu près. Donc tout le monde me connaissait. Alors, il savait très bien que mon père, il y a les moyens quand même, il y a des moyens. Mon père avait des moyens certains, quoi. Il se disait, bon, si la fille ne peut pas payer... Le père suivra. Le père, voilà. D'accord. Le père va suivre. Bon. Dans cette banque-là, ils se sont dit ça. Mais dans l'autre banque, où j'avais un copain d'école, si vous voulez, qui était directeur, il m'a ouvert un crédit comme ça. Sans me demander un bulletin de salaire. Là, c'était votre copain? Eh oui. Comment vos parents ont compris ce qui se passait? Mon père l'a très très mal avalé, ce qui est normal. Au bout de combien de temps? Mon père était au bout de... Il y a 5 ans que mon père a su. Un jour, j'ai pas pu aller plus loin, quoi. J'ai pas pu parce que bon, mais j'étais prise à la gorge. Il fallait rembourser toutes les dettes que j'avais faites dans les boutiques. Les prêts, il fallait les rembourser. Bon, les prêts, je les ai remboursés, moi. Mais mon père, si vous voulez, il m'a dit, bon, maintenant, dis-moi, on met tout à plat. Ouais. Dis-moi dans quelle boutique tu dois, où on doit aller. On met tout à plat. Donc, on est allé partout. On a soldé tout ce qu'il fallait. D'accord. Et puis, mes parents m'ont pris chez eux pendant 3 mois. Mon ami était, à l'époque, au village. Et moi, j'étais chez mes parents pour me rééquilibrer. Parce que ça n'allait pas du tout. Je voulais me suicider. Enfin, ça n'allait pas du tout. Pendant 3 mois, ça a été très bien. En 1998, nous avons déménagé avec mon mari. Puis, mon fils est né. Et ça a recommencé en décembre 1999. Où là, je suis allée dans... On voulait se marier. Il y a eu un mariage d'annulé à cause de ça. Et parce que voilà, j'avais fait des crédits, etc., etc. Donc, j'avais dit, je ne peux pas me marier en cachant ça à ma belle famille, à mon mari, à mes parents. Je ne peux pas. On annule tout. Et puis, en 1999, en décembre... mon mari me dit on pourrait se marier pour régulariser, etc. J'ai dit ok, très bien. Je file à la ville la plus proche, dans une boutique de meubles. J'ouvre pour 53 000 francs de liste de mariage.
Alors qu'au mariage, on ne devait être que 30 ou 40 maxi, quoi. Donc là, je me suis dit... Là, il va falloir prendre les choses en main. Donc depuis ce jour, depuis assez peu finalement, c'est votre père qui gère votre compte, qui garde votre carte bleue, votre chéquier. Je n'ai plus de carte bleue. Bah alors, qui garde votre chéquier. Ça fait quoi de se retrouver à 33 ans avec un papa qui gère ses finances? Ça fait du bien. Ah bon? Et pourquoi c'est pas votre mari qui s'en occupe? Je veux pas que ce soit mon mari qui s'en occupe parce que mon père est d'une très gestionnaire, hyper gestionnaire. Et puis ça me fait du bien d'avoir ce rapport-là avec mon père. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça serait difficile à expliquer, mais si vous voulez, mes parents, bon, j'ai été gâtée, pas pourrie, j'ai été gâtée. Mais à un moment donné, mes parents sont un peu passés à côté de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne sont pas assez occupés de vous? Oui, voilà. Il y a eu un manque très très fort d'affection. Et c'est vrai que mon père m'a énormément manqué, voilà, dans toute sa globalité, quand j'étais enfant. Donc là, ça me fait du bien à 33 ans, même à 33 ans, que ce soit mon père qui me gère, que j'ai affaire à mon père pour ça, voilà. Damien, votre mari est dans le public. Est-ce que le papa de Pascal gère aussi votre argent? Non, pas du tout. Ah non. Vous sentiez qu'elle était malade ou pas? C'est l'euphorie. C'est combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux? 6 ans. Ouais. C'était l'euphorie. Alors, bon, après, même maintenant, ça re-arriverait maintenant. Moi. Je souhaite que ça n'arrivera plus et puis je lui fais confiance. Mais c'était simple. Il y avait l'euphorie. Je rentrais du boulot, Pascal euphorique. Souci, il y a quelque chose. T'as été te promener, peut-être. Bon, oui, oui, pas plus loin. Après, une semaine, deux semaines après, ça se jouait sur un cycle d'une à deux semaines à peu près. Après, c'était le trou. Elle tombait, elle se laissait aller, pas manger trop, et puis les crises d'eczéma ressortaient. Donc là, je me disais, ça y est, elle l'a refait. Et bon, bien sûr, toujours le dernier averti, parce qu'elle en parlait à sa maman, quoi. Pas à son père. Parce qu'elle savait que son père, ça allait être un problème. Pendant un moment, d'ailleurs, moi... Et sa votre mère le cachait à son mari, ouais. Voilà, et on était avec la grand-mère de Pascal, on le cachait. Parce qu'au départ, on s'est débrouillé à essayer d'éponger l'histoire pour qu'il n'y ait pas un problème avec Pascal. Ouais. Vous avez toujours une carte bancaire, vous, aujourd'hui? Oui, oui, ouais. Moi je l'ai. Vous arrivez de lui prêter pour la journée? Non. Non. À l'époque, par exemple, je lui disais, bon, tu pars faire des courses. Je lui donnais un chèque, je lui disais, bon, tu fais 1000 francs de course. Elle revenait, 2000 francs de course. Comment vous faites aujourd'hui pour gérer tout ça au quotidien? Ah, ben maintenant, bon, ben, on fait avec ma paye. De temps en temps, elle demande à son père qu'il lui donne un chèque. Il lui ramène la souche ou la facture. Puis il le note sur un cahier, clair, net et précis. Il fait le total et à la fin, enfin au milieu de mois ou à la fin, si elle n'a plus rien, il lui dit, ben Pascal, tu n'as rien et tu n'auras rien. Vous sentez votre femme guérie aujourd'hui ou sur la voie de la guérison? C'est beaucoup mieux et guérie... Je ne peux pas le dire peut-être à 100%, mais je dirais à 99%. À votre avis, il y a une influence directe de l'éducation sur son problème qu'elle a connu? C'est à votre avis, hein, on n'est pas en train de faire une thérapie. Oui, c'est sûr que je pense que c'est le relationnel entre parents et enfants. Ouais. Il y a une... Sans balancer vos parents. Non, 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 même pas du tout, mais il y a un concours entre Pascal et son papa. Et comme elle n'a pas les moyens qu'il a lui, elle a essayé de se montrer, de lui faire voir, de lui dire « Hey, papa, regarde, j'existe. » Et... C'est comme ça que ça s'est passé. Je le ressens comme ça et je pense que c'est ça et Pascal le ressent comme ça. Merci de nous avoir donné votre opinion, Damien. Pascal, Virginie, vous avez été élevé par un papa très économe et une maman très dépensière, plutôt dépensière. Son témoignage me rappelle beaucoup le comportement de ma mère. Quoi, par exemple? Bah, quand elle dit que quand elle va faire un tour, enfin quand elle s'ennuie chez elle, elle va faire un tour dans le, je sais pas, le... La rue commerçante. Le centre commercial, et en fait, bah, elle revient toujours avec un petit quelque chose. Coucou, regarde ce que j'ai acheté. Super, ton compte il est au moins 3000, qu'est-ce que tu fous? Mais ça, vous le saviez, vous, assez jeune, que votre maman dépensait trop? Non, mais c'est-à-dire que... on avait une situation familiale un peu particulière. Donc, mon père était toujours en voyage, parce qu'en fait, mon père est à la base est militaire. Il a évolué en tant qu'ingénieur commercial. Donc, en fait, bah, il était tout le temps... il est avéré qu'il s'est trouvé peut-être deux semaines dans une année à la maison.
Donc très peu à la maison. Ah, belle vie de couple aussi là. Voilà. Donc ma mère, bah, forcément, en plus malade, etc. Donc pas très souvent là. Et donc elle compensait beaucoup le manque de présence, d'affection par la dépense. Voilà. Quelles sont les attitudes de votre papa qui vous font dire qu'il est du genre économe? Alors là, il va être fou en attendant. Il est prévenu, vous l'avez appelé avant l'émission. Tout à fait, ouais. On l'a invité d'ailleurs, mais il n'a pas. Voilà. Donc, bah, c'est plein de petites choses de la vie quotidienne qui rend vraiment, c'est insupportable. Dites. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai, chez moi, dans ma chambre, parce que je vis encore chez mes parents, il y a un petit message qu'il a collé sur ma porte qui dit « Virginie, as-tu pensé à arrêter ton chauffage ?» Donc quand vous rentrez, il fait 12. Comment? Quand vous rentrez, il fait 13. Il fait 13. Oui. Donc, c'est un jour, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on a plein de chauffage. Hein. C'est quand même chauffage électrique partout, plus une cheminée. Donc, je veux dire, on est quand même bien équipé. Et un jour, je dis à mon père, écoute, il fait 13, on a froid. Il faudrait peut-être que tu mettes le chauffage. Il me dit, si t'as froid, tu te couvres. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Parce que je suis un peu... Je titille quand même un peu. Je me suis baladée en combinaison de ski toute la journée dans ma... chez moi. C'est drôle. Il faut faire comprendre les choses. Ouais. Hein, et ça l'a fait rire? Pas du tout. Hein. Il a dit vraiment, pour qui tu me prends bon. Parlez-nous du frigo. Le frigo, bah, disons que comme il est retraité aujourd'hui, il fait les courses tous les jours. Donc il achète le strict minimum. Alors on a les 3 tranches de jambon, les 3 yaourts. Et donc si on voulait quelque chose de supplémentaire, il faut prévenir à l'avance parce qu'il faut sortir quelque chose du congélo, parce qu'il faut surtout pas utiliser le micro-ondes pour décongeler quelque chose. Ça c'est pas possible. Ça se voit là ? Oh là là, c'est... Ouais. C'est pas possible du tout là. Non, mais vous en rigolez, votre mère aussi ? Ah ma mère, bah, on finit comment, par... Comment deux parents comme ça aussi différents peuvent réussir on à s'entendre ? On est obligé de tourner ça à la dérision parce que c'est de la folie. C'est-à-dire que quand on va chez des amis, on a tous les trois une voiture. Ouais. Quand on se regarde, de toute façon ma mère, on se regarde toutes les deux. On prend la tienne ou la mienne ? Parce que de toute façon on prend pas celle de papa. Parce que de toute façon faut pas utiliser le kilométrage, pas d'essence, etc. Ah oui, d'accord, donc il... D'accord. Il fait des cadeaux ? Alors, là, voilà, alors ça, c'est le petit top du jour. Ma mère sort d'une révision. Bon, c'est vrai que le compte n'était pas très fort non plus. Donc, elle n'a pas pu s'acheter 2 pneus. Alors, c'est votre mère ou c'est la voiture qui sort de la révision ? Les pneus, elle les a allumés pas là encore. La voiture de votre maman, donc. Voilà. Voilà. Donc... Elle sort de la révision, un peu gênée. J'ai 2 pneus à acheter, j'ai pas l'argent, qu'est-ce que je fais? Mon père, un élan de générosité, je te les offre pour ton anniversaire. Ça va. Et à vous, il vous fait des cadeaux? J'avais une très bonne amie. Il offre un vanity case à ma copine. Et peut-être, je sais pas, 6 mois après, parce que c'était Noël, j'ai le droit au vanity case. Alors je me suis dit, je me tape la promotion, il a dû avoir les 2 en 1. Et hop, je savais pas comment faire. Hop, tiens ma fille, cadeau. Bon, c'est un peu... Des fois, on se dit, quand il fait un cadeau, je pense que ça part vraiment d'une bonne volonté. Mais des fois, je me dis, il faudrait mieux que tu t'abstiennes. Et à lui-même? À lui-même. En termes de vêtements, non, parce que si vous l'écoutez, alors son discours, c'est « mais tu te rends pas compte, je me prive pour vous », etc. C'est « la vie est dure », tu vois. Ouais. Et moi, il s'est trouvé que là, je suis banquière, en effet. J'ai été embauchée, ça fait 5 mois, dans sa banque. Dans la banque où il a ses comptes? Voilà. Vous avez accès à ses comptes? Non, j'ai pas accès à ses comptes, mais je lui ai posé la question, je lui ai dit « t'es quelle sorte de clientèle ?» Il me dit « patrimoniale ». C'est à partir de combien? Alors je me dis que pour quelqu'un qui se prive, il se prive beaucoup, alors pour l'avenir, hein, parce que je veux dire... Vous avez 23 ans aujourd'hui, Virginie, vous vivez toujours sous le toit familial, oui. Alors que vous travaillez, vous êtes indépendante, pourquoi vous supportez encore des hivers à 13 degrés là? Je sais pas, peut-être que ça me fait plaisir d'en rentrer et me dire qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui. Ouais. Ça vous fait rigoler franchement? Bah, je suis obligée parce que c'est... Enfin moi je pense qu'il va mal le prendre le fait que je fasse une... peut-être une caricature comme ça de lui, mais ce que je veux lui faire comprendre, c'est que il pourrait avoir des millions comme il pourrait avoir 5 francs. Je pense que si on avait été une famille unie, ça pourrait valoir mais
la fortune du monde. Parce que, enfin, je vais y aller avoir de l'émotion, mais... Il pourrait dépenser son argent, il pourrait faire tous les voyages qu'il veut, et que le jour où il n'est plus là, que je n'ai rien que de lui, ouais. Je m'en foutrais. Que des parce souvenirs. Que je profiterais des moments que j'aurai avec lui même. Mais ça vous bouffe la vie à ce point-là, dans votre famille c'est, Pourquoi votre maman reste avec lui? Pourquoi vous restez sous le toit? C'est la famille, elle est réunie quand même. Mais non, mais c'est que c'est... Un petit mouchoir, peut-être, pour... verre d'eau. Non, mais c'est bon... Une vodka? Non. Prenez un verre d'eau. Non, vous savez que si je bois de la vodka, vous allez... Oui. Vous allez voir ce que ça donne. Amenez de la vodka. Ouais. Salut. Allez, dites. Enfin bon, pour dire que je pense que ce sont deux personnes qui se sont trouvées à un moment, parce qu'en fait, ma mère a vécu pendant 10 ans avec un milliardaire. Avant. Elle a tout fait, elle a fait le tour du monde, elle a eu les plus beaux bijoux, elle a tout vu. Et c'est vrai que c'est grâce à cet homme qu'ils se sont rencontrés. Vous avez l'impression d'avoir manqué quelque chose quand vous étiez petite? De quoi? Déjà d'une présence, puisque bon, mon père était très rarement là. Ma mère a fait ce qu'elle pouvait, mais comme elle était malade, elle alternait entre les hôpitaux et la maison. Mmh. Bon, c'est des petites choses comme ça qui font que, pour moi, l'argent, je m'en fous. Mais sérieusement. Et mon père me conditionne, c'est-à-dire que c'est pour vous dire, quand je lui présente quelqu'un, il lui demande, est-ce que tu as demandé son RIB? Alors, excusez-moi bon, de rire, mais c'est, moi, je suis tente, la façon de oui, vous raconter, c'est obligé, assez drôle. Mais ouais, oui, ouais. Mais je suis obligée de tourner ça à la dérision, parce que c'est... Je veux pas qu'il soit blessé en voyant cette émission, je veux pas qu'il le prenne pour lui, je veux pas qu'il soit... Mais je veux qu'il se rende compte de ce qu'il fait. C'est... Ça vous empêche pas de l'aimer, visiblement, parce que vous en parlez. Je l'adore, j'adore mon père, j'adore ma mère, mais je pense que... Parce qu'il est militaire, et je lui dis, mais pourquoi vous restez ensemble? Oui. Il me dit, parce que quand je prends un engagement, je le tiens jusqu'au bout. Quel est drôle. Quel est drôle. Comment vous expliquez ce comportement de votre papa vis-à-vis de l'argent? Je pense parce qu'on a 40 ans d'écart. Il m'a eu à 40 ans. Oh, ça va. Ça commence à faire. Et donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui a vécu bon, la fin de la Deuxième Guerre. Hein, faut pas non plus trop... Donc, il a vécu le manque, etc. Donc, il suffit que vous laissiez un petit bout de peau de poulet sur le truc. Ah, mais c'est du cachet, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te rends pas compte qu'il y a des gens qui se privent, qui meurent de faim? Oui, bon, écoute, moi, pour l'instant, je suis rassasié, donc... Enfin, c'est pour Dieu, quoi. Ouais. Et ça fait 20 ans que ça dure, alors, comme ça, enfin, 15 ans. Oui, non, mais je vous dirais quand même qu'avec les années, ça va mieux. Ah bon, c'est-à-dire? Il faut croire que la retraite... Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui est angoissé. C'est-à-dire qu'il a peur de l'avenir. Ouais. C'est-à-dire qu'il a tellement peur de manquer, de par exemple... Parce que lui, il a toujours dit, Virginie, je voudrais jamais que tu mets à ma charge quand je serai vieux, etc. Ouais. Bon, je peux comprendre, surtout que les maisons médicalisées coûtent entre 15 000 francs par mois pour des personnes âgées qui n'ont pas forcément des bonnes retraites. Je peux comprendre, il prévoit. Mais à côté de ça, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, il se prive autant. Je vois aussi bien ma mère que mon père. Vous dites qu'il se détend un peu quand même là. Ah oui, tout à fait. Oui. Parce que, bah, qu'il se rend compte que, de toute façon, moi, il pourra me faire tout ce qu'il veut. Je prendrai ça à la dérision. Mmh. Mon père explique son côté très économe par le fait que ma mère est très dépensière. Ouais, donc faut... Et il faut compenser, bien sûr. Mmh. Ce que je peux comprendre. D'accord. Mais... Et vous au milieu, genre? Comment? Et vous au milieu de tout ça? Alors, pour résumer un peu l'histoire, je suis le résumé en fait entre les deux, c'est que je dépense, oui. D'ailleurs il est un peu vert parce que c'est vrai que chez moi j'ai dans ma chambre qui fait à peu près 10 mètres carrés, j'ai le trinitron, j'ai le truc où il faut 3 mètres de recul, j'ai 1 mètre, donc il se dit mais attends ma fille, tu nous fais quoi là? Je fais, je prévois. Parce que moi, le jour où je m'installerai, j'aurai tout. Voilà. D'accord. Donc, bon, bah. Donc, c'est-à-dire que vous êtes un peu les deux, c'est-à-dire que vous êtes prévoyante et dépensière. Voilà, tout à fait. En plus, avec moi, mon métier, je suis bancaire, je vois des gens débiteurs toujours qui font écoutez, là, ce mois-ci, ça va être juste. Faudrait me laisser un petit découvert supplémentaire. Et puis, vous avez les extrêmes opposés qui sont ah,
oh là là, regardez ça là. J'ai 2 francs de différence entre tel et tel truc. Il faut me les rembourser là, ça va pas. Donc c'est vrai que bon, j'ai l'impression des fois de voir mon père et ma mère. Alors des fois, c'est vrai que c'est bien marrant, t'as envie de faire salut papa, qu'est-ce que là. Donc, mais pourquoi vous avez choisi la banque comme métier, à votre avis? Pas du tout, alors. C'est parce que mon père, je voulais pas qu'il me paye des hautes études, parce que je savais que je lui serais redevable toute ma vie. Ouais. Il s'est trouvé que j'ai fait des études commerciales en alternance. C'est-à-dire que j'ai été payée du début jusqu'à la fin. Donc mon père, il a pas eu à sortir. Sortir les sous. D'accord. Voilà. D'accord. Donc maintenant, Catherine, qui est extrêmement économe à sa manière, vous pourrez réagir si vous le souhaitez, si ça vous rappelle des souvenirs. Vous ne gênez pas. Catherine a 26 ans. Elle est mariée, maman d'une petite fille, une vraie professionnelle des économies, une vraie pro. Avant de nous raconter comment vous êtes devenue une accro des produits étiquetés, satisfaits ou remboursés, premiers achats gratuits, racontez-nous dans quels autres domaines vous chassez le gaspille. Si vous voulez, bon, c'est vrai que je fais la chasse au gaspillage. J'aime pas. Comment, par exemple? Bon. Téléphone. Alors, le téléphone, on a maintenant des serveurs qui sont très perfectionnés sur Internet. On se connecte, ils nous disent, bon, ben, si vous voulez appeler telle destination pendant tant de temps, vous passez par tel opérateur téléphonique, par exemple. Donc, c'est vrai que chez moi, actuellement, je reçois par mois à peu près 5 factures d'opérateurs différents. Et je jongle, en fait, avec les différents tarifs qui nous sont proposés. Voilà. Suivant les horaires et les destinations de vos appels. Voilà, exactement. Oui. Quand vous envoyez une lettre, c'est toujours au tarif lent? Principalement, oui, tarif lent, parce qu'en plus, les PTT font les choses bien, ça arrive quasiment au même moment que si c'était un tarif normal. Alors, je vais aller un peu vite, parce qu'on a pris un peu de retard avec Virginie, on a pris un peu de temps. Vous faites tourner, je vous en prie, Virginie, c'est un plaisir, les machines en heure creuse, parce que l'électricité est moins chère. Vous faites le plein d'essence là où c'est le moins cher. Vous pensez à l'échange d'appartements pour vos prochaines vacances. Mais racontez-nous surtout ces trucs de satisfaits ou remboursés qui vous prennent presque une journée par semaine. Mais en fait, c'est presque plus que ça, parce que quand vous faites vos courses, à chaque fois, il faut y aller produit par produit. Comment ça se passe, ça? Bon, en fait, je pense qu'il faut prendre déjà depuis le début. Comment j'en suis arrivée à faire ce genre de. D'économie. Alors, il y a quelques années de ça, j'étais étudiante et c'est vrai que bon, j'avais du mal à joindre les deux bouts. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je suis allée dans un rayon, j'avais besoin de lessive. Et je me suis orientée vers ce rayon-là et je vois premier achat gratuit, essayez-le, etc. Bon, je regarde l'emballage et je lis le mode du règlement. Et effectivement, il nous disait, bon, vous achetez ce produit, vous le payez et puis vous nous envoyez le ticket de caisse, un RIB. Une lettre avec vos noms, prénoms, adresses, etc. Et vous serez remboursé dans un délai de 4 semaines. J'ai fait, et j'ai reçu effectivement, au bout de 4 semaines, sur mon compte bancaire, la somme du paquet de lessive. Ah, bon, combien, c'était. À l'époque, à l'époque ça devait 65 francs, hein, les grands barils. Ah oui, là, bon, ça fait 65 francs. Le baril familial, d'accord. Ouais. Oui, tant qu'à faire. Ouais. Hein. Et bon, suite à ça, j'ai dit, bon, bah, si ça marche pour de la lessive, est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits comme ça? Et je me suis baladée, effectivement, dans les rayons. Et j'ai vu, bon, bah, ça peut aller du cirage aux produits d'entretien, à de l'alimentaire. Donc vous allez vers le satisfait ou remboursé? Alors. Ou premier achat gratuit? Alors maintenant, je suis mieux organisée. Ouais. J'ai Internet. Et là, il y a des sites qui sont spécialisés, en fait. Et je consulte, en général, ça arrive une fois par jour. Je vais sur le site et je regarde quels sont les produits répertoriés aujourd'hui en magasin qui sont soit en satisfait ou remboursé ou premier achat gratuit. Parce que vous avez les deux, en fait. D'accord. Satisfait. Mais comment vous faites satisfait? Comment vous transformez satisfait ou remboursé en satisfait et remboursé? Eh bien, tout simplement. Vous avez aujourd'hui un produit qui est à l'appel qui dit satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas content de ce produit, nous vous le remboursons. Par exemple, quoi? Sans citer la marque, je vois. Allez, on va prendre les cœurs de palmier. Les cœurs de palmier, bon, par exemple. Et vous êtes fait rembourser? Ouais. Pourquoi, c'est dégueulasse ou... Ouais. Alors, j'achète les cœurs de palmier en question. Ouais. J'arrive à la maison. Bon, ben, je vais les goûter quand même, un minimum. Bon, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'est-ce que je vais faire? Je prends un papier. S'ils sont bons, par exemple, vous les boulottez, les fiancés. Ben oui, je vais les manger, mais je vais quand même tenter le coup. J'écris une lettre en disant, bon, ils étaient trop croustillants, trop sucrés ou un goût trop fade, etc. J'écris ça sur une lettre, je mets dans une enveloppe, le RIB, le ticket de caisse, éventuellement découper le code barre parce que c'est une preuve d'achat, et j'envoie ça au gestionnaire de l'offre. Et en principe, un mois après, on reçoit le virement sur notre compte bancaire. En principe, ça veut dire avec quel pourcentage de réussite?
100% si vous avez en général tous les éléments dans l'enveloppe. Mais en principe, c'est au niveau des 4 semaines de délai, parce qu'on vous annonce 4 semaines, mais les gestionnaires des offres ont tellement d'offres à traiter en même temps que ça peut prendre 2 voire 3 mois parfois. Ah là là. Donc il y a une sacrée avance à faire. Mais ceci dit, quand le roulement est pris, l'argent tombe tous les mois, tous les jours. Ouais. Vous avez combien de remboursements par mois à peu près? J'en ai pour 1500 francs environ, mais. Combien de morceaux? Alors là, je n'ai pas calculé, mais j'en ai au moins 60 produits remboursés. Donc 60 courriers. Je fais 60 courriers, mais les timbres sont remboursés. D'accord, j'ai eu peur. En général, c'est inclus, sinon c'est mentionné. Il suffit, en général, l'offre dit timbre remboursé sur simple demande. Donc je demande, qui est déjà préétabli. J'ai pas à taper la lettre, tout est déjà. À chaque fois, vous trouvez des arguments pour dire pourquoi le truc que vous avez acheté convenait pas, quoi. Oui. Ouais. Vous avez acheté des produits dont vous n'aviez pas besoin. Et vous les stockez. Qu'est-ce que vous avez, par exemple, en réserve? J'habite en appartement et j'ai acheté de. Comment on appelle ça? Pour dégraisser toutes les canalisations WC, mais vers une fosse septique. Ouais. Donc c'est pour une maison, ça n'a rien à voir dans un appartement. Je l'ai acheté quand même. Ça vous a rien coûté? Non, ça m'a rien coûté. Ça reste là. Et puis le jour où peut-être j'aurai une maison, parce que elle est prévoyante, elle aussi. Ouais. Alors moi, par contre, j'ai un gros stock dans ma cave. Mais de quoi? C'est un super bon truc parce que alors mon père, il va le choper là. Il faut occuper son temps. Ça occupe du temps. Hein. Ça prend du temps. Oui. C'est vrai qu'avec Internet, maintenant, ça va beaucoup plus vite parce que moi, j'imprime tous les produits et je vais directement dans le rayon. En plus, sur Internet, vous avez la photo du produit, donc je la mémorise et ça va très très vite. Vous diriez économe, très économe ou radine? Économe. Ah. Économe parce que j'en fais pas du tout une maladie. Si je trouve pas un produit, ça s'arrête là. Moi, je connais des gens personnellement qui vont tous les jours dans le même supermarché. Ils font toutes les enseignes de la région pour trouver les produits en question. C'est pas du tout mon cas. Hein. Oui, on peut trouver toujours un peu plus ouf que. Un peu plus, oui, oui. Un peu plus dans le truc que ce soit. Oui, c'est ça. Oui. Il y a des gens qui le font pas du tout aussi. Ouais. C'est vrai. Mais quand vous êtes à la caisse, par exemple, avec ces produits-là, parce que vraiment, il faut. Alors, là, ça pose un peu problème parce qu'effectivement, il faut toujours un ticket. Pour un article, puisqu'il faut l'envoyer dans une seule enveloppe. Bon. Donc si vous avez un caddie avec 50 produits, il faut 50 tickets. Voilà, vous avez tout compris. Et derrière, ça klaxonne, non? Oui, mais je suis relativement prévoyante. Je leur dis toujours, j'en ai pour une demi-heure. À la caisse? Ah oui. Ah oui. Oui. Maintenant, si la personne fait la queue, elle est prévenue, tant pis. Si elle est têtue, si elle a du temps à tuer, c'est son problème. Ça, vous payez article par article? Je paye article par article. Ça agace plutôt les caissières, effectivement. Oui, je comprends. Mais j'essaye de prévoir la monnaie pour que ça aille plus vite. Ah oui, d'accord. On va maintenant appeler un psychologue, vous voyez rien de personnel là-dedans, qui va nous aider à éclaircir donc, les rapports particuliers que chacun entretient avec l'argent. J'appelle Thierry Gallois, donc elle vient nous rejoindre, s'il vous plaît. Sous les applaudissements du 102, regardez le rythme. Bonsoir, docteur, soyez vous en plaît. Psychologue spécialisé, entre autres, Thierry, dans la gestion du stress. Vous êtes amené à recevoir dans votre cabinet des patients qui souffrent de différentes pathologies, qui sont accrochés à différentes choses. Ça peut être l'alcool, ça peut être aussi des problèmes liés à l'argent. D'abord, des réactions à ce que vous avez entendu ce soir? Oui, je veux bien aider Virginie à gérer son stress ce soir, mais si c'est pas son père qui paye la consultation. D'accord. Comment vous interprétez, par exemple, le comportement de Catherine qui veut absolument gagner de l'argent sur Catherine à tout prix. Économe. Je pense que c'est ni une radin, ni une avare. Je ne pense pas qu'elle ait un comportement qui soit pathologique, même s'il n'est pas toujours très logique. Je pense qu'en fait, on n'est ni dans une catégorie de rétention extrême qu'on retrouve par rapport à l'argent, ni dans une prodigalité extrême. En fait, on est dans un comportement d'économie. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu. J'ai l'impression qu'elle prend ça pour un jeu. Vous êtes fait déborder par le jeu quand même à un moment, c'était pendant votre grossesse. Pendant mon congé maternité, c'est vrai que j'étais tous les jours à la maison. Et qu'est-ce que je faisais? J'allais dans les rayons et je me tapais tous les rayons à pied. Je regardais, je tournais les produits parce que des fois, il y a des étiquettes à prendre. Alors, selon comment il est positionné, le produit, on ne la voit pas. Donc, je tournais les produits dans les supermarchés. Si ça reste quelque chose d'amusant. À cette époque-là, c'est vrai quand même qu'à un moment donné, mon mari m'a remis en question. Il m'a dit, mais attends, est-ce que tu te rends compte ce que tu es en train de faire? Et c'est vrai qu'en me questionnant, je lui disais, mais oui, mais pourquoi? Pourquoi? En fait, on voit bien que les comportements par rapport à l'argent, ça oscille entre deux types de comportements. Il y a la rétention, avec à côté un mode de fonctionnement de personnalité qui est dans l'obsessionnalité, c'est-à-dire celui qui veut garder, les garder à tout prix. Et de l'autre côté, on est dans la prodigalité. Et là, on retrouve un petit peu des comportements addictifs, c'est-à-dire des comportements de dépendance. Et ça se guérit? Oui, ça se guérit. Je crois que les psychothérapies peuvent permettre de guérir ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut en prendre
Il faut en prendre conscience. Ouais. Il faut faire une démarche. Et je pense qu'en restructurant un peu cognitivement les choses, il y a moyen de sortir de là. Oui. Mais moi, pendant 15 ans, j'ai senti un gros déséquilibre en moi. Je me disais, mais tu es folle. Dans ce moment-là, j'avais l'impression d'être folle, sincèrement. J'avais l'impression qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelqu'un d'autre qui me poussait à agir. Donc, à la fin, j'en arrivais par avoir peur de moi. Je me regardais dans la glace, je me disais, mais c'est pas toi, quoi. C'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as acheté tout ça. Mais pourquoi tu as fait ça, quoi? Donc, je redescendais dans une sorte de dépression. Quand je voyais les gendarmes, j'avais peur qu'ils m'arrêtent. Je croyais que les gendarmes savaient ce que j'avais fait, que j'avais dépensé, etc. Marie-Ange et Philippe, vous pensez que l'argent peut rendre fou, vous? Oui. En 94, vous avez gagné tous les deux au loto une grosse somme, je disais près de 10 millions de francs. Les quelques mois qui ont suivi votre nouvelle fortune ont été assez agités. La famille vous est tombée dessus. Vous êtes séparés tous les deux pendant plusieurs mois. Pendant quoi? 7-8 mois? 8 mois. 8 mois. Ensuite, tout est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui, vous tenez un café, mais loin de chez vous. Vous avez choisi de vous éloigner de chez vous, à une centaine de kilomètres de là où vous habitiez avant, en tout cas. C'est un acte volontaire de vous être éloigné? Oui. Pour ne plus être en contact direct avec eux? Oui. Pourquoi? Oh, c'est bien avant, même avant gagné, on voulait toujours partir de notre... Vous voulez partir de là? Oui. En tout cas, vous alliez avoir un enfant à l'époque, vous en avez 3 depuis. Vous avez accepté avec nous de revenir sur ces années passées. On va regarder ce reportage donc chez vous. Reportage de Miguel Gonan et Lauriane Chouraki. Feu. Je pense quand même c'est qu'il a fait quand même du mal quelque part. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a rattrapé, il a essayé de racheter tout ce qu'il a fait, en fait, tout le tort qu'il a causé dans notre couple. Mais bon, c'est vrai que c'est passé, on ne peut pas oublier. On pardonne, mais on ne peut pas oublier. Bon, tu ne le vois pas de la même façon? Non, moi je ne vois pas de la même façon. Moi je l'ai vécu, c'est pas pareil. Et je l'ai vécu aussi, hein? Ben oui, mais moi je l'ai vécu, toi, moi j'étais dedans. J'ai vécu dedans, plus c'est... que toi avec toute cette galère, hein. Je ne sais pas si tu es au courant. Oui, mais bon, moi je me suis retrouvée toute seule. Ah ben moi aussi. Oui, mais moi j'étais enceinte, je me suis retrouvée toute seule, j'avais 0 franc. Zéro. Et je devais compter sur ma famille pour qu'ils me donnent à manger. Et ça compte beaucoup. Pourtant, entre Philippe et Marie-Ange, tout avait bien commencé. En juin 94, ils sont au chômage, mais la chance leur sourit. Le couple gagne presque 10 millions de francs au loto. Bon, là, j'ai pas réussi à dormir encore. Hein. Bon, j'ai vu ce matin que j'ai un peu dormi. À 5 heures, je me suis levé, j'arrivais plus à dormir. Hein. C'est la deuxième fois qu'on joue. Et on a eu de la chance. Et on est très heureux. Mais quelques mois plus tard, la belle histoire se gâte. Marie-Ange est sur le point d'accoucher, Philippe l'abandonne, le chèque en poche, il part sur la Côte d'Azur. C'est moi qui ai joué et c'est moi qui ai misé l'argent que j'avais dans la poche. C'était mon argent de ce que je gagnais par mois. Et ce qu'il me restait, j'ai joué. Marie-Ange saisit alors la justice et pendant plusieurs mois, le couple se déchire. Qu'est-ce qui vous a fait disjoncter, Philippe? Ah, je sais pas. Franchement, j'en sais plus où on était, quoi, tout ce qui s'est passé. C'est pas l'argent. Bah, l'argent, il est un peu coupable là-dessus, mais non, moi, je pense que... Alors, moi, j'étais déjà un caractère comme ça, déjà. Un jour, je le disjoncte, un jour, je disjoncte pas. Ça peut arriver, je sais pas. Et la justice bloque alors la moitié de la somme. Philippe réagit immédiatement en revenant vers sa dulcinée avec en prime le mariage dont elle a toujours rêvé. Aujourd'hui, le couple est propriétaire de ce bar dans les environs de Metz. 62, quoi. 62. Alors, les mecs. Sympa. On attend que tu nous payes un coup, comme d'habitude. Quoi. Putain, les mecs, vous assurez pas, là. Et on va pas payer à plus riche que nous, non? Et tu parles de moi, là? Moi, j'ai joué pour gagner. T'as réussi à acheter un truc, tant mieux pour toi. Ben voilà, je me suis fait plaisir. Et ben, j'ai eu la chance de gagner, c'est pas de ma faute. Je pense qu'il faut pas y avoir de jalousie, sinon... Même par rapport à nous, ça serait quand même malsain de venir ici en disant « Tiens, ben, il a gagné des ronds à l'auto, peut-être qu'on va pouvoir gagner quelque chose en essayant de sympathiser avec lui pour lui tirer quelque chose. » Et je pense que toutes les personnes qui viennent ici, surtout les habitués, viennent ici parce qu'on est bien ensemble, on discute, c'est la station, c'est lui le nouveau proprio, ben, tant mieux, il est sympa et puis nous, on continuera à venir ici. Quoi. Dans l'appartement au-dessus du bar, Marie-Ange élève leurs 3 enfants loin du reste de sa famille. On s'est dit, bon, ben, il faut se faire des nouveaux amis, puisqu'on habite loin des anciens qu'on avait avant. Et puis, on essayait, puis on rencontrait des gens qui vivent normalement, qui gagnent leur vie normalement. Et puis, alors, on est bien avec eux, tout se passe bien pendant 1 mois, 2 mois. Ensuite, ils nous demandent de l'argent.
Et puis alors, quand on leur dit non, ils ne viennent plus nous voir, c'est fini, ils ne veulent plus rien savoir. On était un peu déçus, alors on s'est dit, bon ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tomber les gens qui vivent normalement. On va aller chez des gens qui ont de l'argent, qui vivent avec, qui ont beaucoup d'argent. Et puis au moins, avec eux, on n'aura pas le problème qu'ils viennent nous demander de l'argent. Et puis au moins, ils nous parleront toujours. Mais alors, c'est impossible, on n'arrive pas. Alors, pas du tout, parce que, en fait, quand on n'est pas né riche, on compte pas, on n'est rien du tout. Et c'est vraiment un milieu spécial. Alors, on n'est pas accepté ni par les gens qui vivent normalement, ni par les gens qui s'enrichent. En fait, on n'est accepté ni d'un côté, ni de l'autre. Patrick, le cousin de Philippe, est un des rares membres de la famille qui ne leur a jamais tourné le dos. Ouais. Le bras à café. Ouais. Allez, viens. Il y a des gens de la famille qui voulaient plus les voir, Marie-Ange et Philippe. Oh, mais j'étais pas dans le secret de tout, mais oui, je pense, parce que bon, ils partageaient pas. À mon avis, oui. Je pense que oui, il y en a qui voulaient plus le voir parce qu'ils partageaient pas la somme qu'il avait gagnée ou l'en donnait pas assez. Quand il a gagné, tout le monde avait gagné. Tout le monde avait gagné, donc il y en a plein qui ont arrêté de travailler, etc. Parce que bon, fallait partager tout, mais. C'était la mentalité du coin à l'époque. Je suis désolé, j'ai rien à partager, moi. C'est pas un héritage, hein. Moi, les héritages, c'est mes enfants qui vont avoir. Mais c'est pas. Attends, mais faut arrêter, genre. J'ai toujours dit, hein, il faut voir les choses en face. Les sous attirent pas mal de choses, hein, du bonheur et surtout des ennuis. Hein. Donc, il a eu trois quarts d'ennuis avant d'avoir du bonheur. Hein. Maintenant, tout se passe bien. Il a rétabli les liens avec tout le monde, tout le reste de la famille. Moi aussi, de toute façon, je le vois de temps en temps. Je continue à vivre normalement et ça se passe bien maintenant. Mon bébé. Voilà. Si t'avais pas d'argent, est-ce que tu pourrais te permettre de te permettre ce que t'as là? Aller en vacances, aller avoir un bateau. Moi, j'ai besoin d'une maison, de faire mon ménage, de faire ma cuisine. J'ai besoin de... Et je peux pas vivre sur un bateau, c'est pas une vie. Oh, mais c'était bien, c'était le grand bateau qu'on avait vu, que je voulais me prendre et être dedans, et puis bouger et mettre les gosses à l'école. C'était le bonheur, ça. Anna, t'as plus de soucis qu'autre chose maintenant. Tu t'ennuyais pas quand on était à la maison, quand on était en train de rien faire. C'est ce que j'ai dit, on s'ennuyait. Voilà. Et c'est pour ça que. Même si on était sur un bateau ou. On était à l'aise et tout, on s'ennuie. À force de faire la même chose tous les jours, de ne pas savoir quoi faire, tu t'ennuies. C'était bien avec le soleil. Tu es obligé de faire quelque chose, tu ne peux pas rester comme ça toute ta vie et tu vas rester comme ça toute ta vie. C'est pour ça qu'il faut attendre que ça se passe. Moi, on dirait que je dois mystifier ce que j'ai gagné. Non, j'ai rien mystifié du tout, moi. Moi, c'est. On l'a gagné. Moi, je n'ai rien à reprocher, moi, merde. Oui, tu touchais avec les Rémi ou un truc comme ça, tu pouvais aller en vacances, pas aller au Disney, ouais, voir les Mickey Mouse, là, pour les enfants, tu ne pouvais pas. Aller voir en Allemagne, tu ne peux pas. Avec quoi? Là, tu peux partir en disant, en week-end, on prend la voiture, on peut aller avec une bonne voiture. Avant, qu'est-ce que j'avais comme voiture, moi? Une voiture qu'avec des trous partout. Voilà pour leur histoire. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer quand on se retrouve à la tête soudainement d'une telle fortune? Les gens autour de nous. Les gens à l'extérieur plus que vous-même? Oui. Pourquoi? C'est vraiment difficile à vivre, hein, parce que les gens autour de nous, ils changent catégoriquement. C'est fini, c'est plus les mêmes. C'est-à-dire quoi? Ils vous demandent de l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Ils demandent de l'argent. Alors on leur doit de l'argent depuis avant. Je te devais de l'argent. Oui, oui, tu te rappelles plus? Et ben non, je me rappelle plus. Oui, et moi aussi, tu me devais de l'argent. Et puis, on devait de l'argent à tout le monde. Ouais. Alors ouais, que... Ça a quand même fini par pourrir un peu vos relations à vous deux, quoi, puisque pendant quelques mois, vous êtes partis en balade. quand votre femme était enceinte, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Ma tête à moi? Oui. Bah, c'était que j'avais autant... C'était tout autour de moi, quoi. Que tout le monde... Il y avait tellement de pression sur tout ce qu'on a eu en même temps, on était ensemble. Et moi, je veux ça. Il y avait la pression quelque part, moi j'en pouvais plus, quoi. Ouais. Mais je suis pas parti vraiment, c'était les médias qui avaient un peu rajouté là-dessus, quoi. Et donc les médias avaient mis dessus, on a plus retourner en arrière, mais de toute façon on n'était jamais, moi pour moi c'était pas séparé directement. Il a quand même fallu que votre femme fasse appel à un avocat pour que vous trouviez une conciliation entre vous deux, quoi. Ça n'a pas été jusqu'au bout. Moi je suis pas comme ça, moi je pense même sans avocat, si on l'aurait peut-être fait, moi je pense que je ne serais pas spécialement parti. Moi, je pense pas. Enfin, vous seriez spécialement revenu, quoi, en tout cas. Ouais. Quoi qu'il en soit, vous êtes ensemble encore aujourd'hui. Bien sûr. Par amour ou par argent? Par amour. Par amour.
Vous parlez de l'amour que vous aviez avant l'un pour l'autre, avant de gagner ce chèque, et celui que vous avez eu après. Comment vous expliquez que ça puisse abîmer les relations amoureuses? Une grosse somme qui arrive d'un seul coup. Au contraire, on pourrait penser que ça va permettre de mieux profiter de la vie ensemble. Quoi, ben justement, je me suis dit avant on s'aimait, et puis on vivait pas très, très bien non plus. Bon, on avait des problèmes d'argent. Et aujourd'hui, on a vraiment de l'argent qui tombe comme ça. Quoi. On a eu beaucoup de chance. Et puis aujourd'hui, on est séparés. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait? On se pose des questions. Est-ce que j'ai fait quelque chose? C'est l'amour. En fait, on sait pas. Je savais pas ce que j'avais fait. Je voulais comprendre. Je voulais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'essayais de le contacter, de lui parler. Mais en fait, il voulait rien savoir. Il voulait rien savoir de personne. Il voulait plus rien entendre. Il en avait tellement assez que tout le monde lui tombait dessus. Alors il voulait plus rien entendre. Mais voilà. Moi, j'aurais bien voulu discuter avant d'aller aussi loin, quoi. Mais c'était plus possible de communiquer. Ouais. C'était plus possible du tout. Et encore aujourd'hui, quand vous dépensez de l'argent pour acheter ceci ou cela, comment... On ne dépense pas autant comme avant. Ça veut dire on est... On fait vous dépensez autant là, pour l'un que pour l'autre? Je ne fais pas le Dallas non plus. Hein. Là, fait, on a ce qu'il faut. C'est vrai qu'il a eu un plaisir. Il a toujours voulu une moto. Il a eu sa moto. J'ai ma voiture, il a sa voiture. Et puis, on a un commerce ensemble. Et puis, je pense que c'est suffisant. On n'a pas besoin de plus. Et vous, vous êtes fait plaisir? Oui. Comment? J'ai quand même... Ah, il y a du matériel. Oui. Sinon, je n'ai pas bien vu. Ouais. Vous pouvez faire quelques bijoux. Oui. Voilà. Il y a quelqu'un qui est avec nous dans le public qui a gagné au loto il y a pas mal de temps, qui est déjà venu témoigner en 97 sur ce plateau, et qui lui a perdu tout ce qu'il a gagné pour différentes raisons. Il s'agit de Thierry Khalifa. Je vais vous donner la parole dans un instant, Thierry. Mais d'abord à Thierry Gallois, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui se passe quand une somme arrive soudainement et par hasard? Beaucoup de changements dans les repères, dans le mode de vie, etc. Ce qui explique que parfois les gens, même inconsciemment, vont essayer de s'en débarrasser, ça on voit, c'est-à-dire qu'ils veulent revenir à une situation antérieure. Hein, je ne sais pas ce que vous avez fait avec l'argent, si vous êtes précipité sur l'argent, ou si vous avez essayé de garder la tête froide, d'attendre un peu avant de réaliser des projets. Mais d'abord, je voulais savoir ce que c'était l'argent, parce que je ne savais pas ce que c'était vraiment. Mec, moi, je touchais les rémis. Découvrir quelque chose. Temps et temps, je ne pouvais pas savoir une grosse somme. En fait, les repères et les valeurs changent tellement que la personne elle-même a l'impression de changer. Oui, Thierry, on vous a reçu dans Ça discute en 97. C'était votre premier passage à la télévision. Depuis, vous êtes passé sur pas mal de plateaux. On vous a vu à droite, à gauche, raconter l'histoire de votre vie. Vous considérez ces passages dans des émissions comme des thérapies. Vous étiez venu nous raconter à l'époque comment les 18,5 millions de francs que vous aviez gagnés à l'époque étaient partis en fumée. Vous étiez en procès avec une banque à l'époque pour récupérer 3 millions de francs. Vous en avez tout, ça, tout à fait. C'est toujours en cours. Ah bon? C'est toujours en cours, puisque ils ont quand même abusé de ma crédulité, ils ont abusé un petit peu de ma confiance. Maintenant, l'affaire est dans les mains de Maître Collard et on est en train d'assigner la banque. Donc je pense, et nous sommes assez confiants quant au résultat. Bon. Ça risque d'être long, mais on est confiants. Vous avez souhaité, vous, en faire profiter directement à toute votre famille. Vous avez ouvert 3 commerces, vous avez placé toute votre famille dans chacun de ces commerces. Et ça n'a pas marché, parce que c'est pas parce qu'on est de la famille qu'on est forcément compétent pour tel ou tel poste. Mais ça n'a pas marché jusqu'à quel point? Ça a explosé, littéralement? Oui, 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 oui. C'est-à-dire que, bon, il faut savoir que moi, quand j'ai gagné au loto, il fallait que tous les gens que j'aime, il fallait que j'assure leur avenir. Donc j'ai ouvert des commerces, j'ai créé des commerces, j'ai acheté une brasserie, enfin, j'ai mis toute la famille, beaucoup de familles, beaucoup d'amis. Et comme je dis, moi, je dis que quand j'ai gagné au loto, j'étais pas un gérant de société, donc j'ai mis des personnes ici et là. Et bon, même les personnes que j'ai mises ne sont pas toutes de mauvaise foi. Attention, il y a des gens de très bonne foi, mais qui ne savent pas gérer. C'est un métier de gérer le commerce. Et les affaires ont commencé à péricliter sans cesse, à perdre de l'argent, à s'endetter, obligé de faire un redressement, enfin, des ventes, perdre beaucoup d'argent. Dans les commerces, j'ai vraiment perdu beaucoup d'argent. Combien? 10 millions de francs. Ouais, d'accord. J'en ai donné 5. J'ai donné 5 millions et demi. Et comme il dit le monsieur, ça n'a pas suffi. Moi, j'ai donné 5 millions et demi et j'ai quand même eu des reproches que ce n'était pas assez. Alors il vous reste des sous aujourd'hui? Non. Qu'est-ce qu'il vous reste? Mon commerce. Il me reste un commerce, c'est mon outil de travail. Et vos amis, votre famille? Elle est très restreinte. Elle est très restreinte. J'ai mon petit frère qui m'aide dans ma procédure contre la banque à chercher des preuves. J'ai ma sœur qui est toujours là. Et qui a toujours été là, ainsi que le petit. Et j'ai mon père.
Et le reste de la famille, les amis? Elle est complètement éclatée. Ouais. Ouais, franchement, oui. Ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts, cet argent. À cause de l'argent, oui. Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui gagnent gros d'un coup, au regard de votre expérience? Vraiment, ce que je conseille sincèrement, c'est que de ne pas créer de commerce dès le départ. Il faut bien attendre, il faut prendre une bonne année de recul, voir ce qu'on va faire. Bon, même dépenser, ce n'est pas grave. Dépenser, ça, c'est pas bien grave de dépenser de l'argent. Il faut en profiter un peu de cet argent. Parce que bon, j'ai vraiment fait de bonnes choses aussi. Hein. Mais prendre du recul, prendre beaucoup de recul et attendre avant de créer quoi que ce soit. Parce qu'un commerce, une entreprise, c'est vraiment un gouffre. Si on ne sait pas le gérer, on peut perdre beaucoup, chose que j'ai fait. Qu'est-ce que vous pensez de ces histoires, Thierry? Moi, je crois qu'effectivement, les gens qui essayent de se donner le temps de réaliser qu'en fait, ils sont devenus riches, sont ceux qui, en fait, n'ont pas perdu leur argent dans les gagnants du loto. Il me semble que ceux qui ont essayé de mettre cet argent à distance, le temps de réaliser vraiment cognitivement ce que ça changeait dans leur univers, dans leur monde, ceux-là ont réussi, en fait, avec l'argent. Ceux qui sont précipités ou qui ont répondu à des sollicitations, et je veux bien le comprendre, parce que l'argent arrive, il peut y avoir aussi la peur d'avoir cet amas d'argent dont on ne sait pas quoi faire, etc. Vous avez gagné en quelle année ? De bonnes idées, hein. En 89. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez su que vous aviez gagné, les jours qui ont suivi cette année? Un immense bonheur. Oui. Et j'étais aimé des gens. C'est ça, voilà. Ouais. Donc l'impression d'être aimé, puis à un moment donné intervient le rejet, parce qu'évidemment des gens posent des demandes qui ne sont pas satisfaites. Il y a du rejet au moment où on ne peut plus assumer ce qu'ils veulent, les gens. Exactement. Voilà. Quand, à un moment donné, il y avait des salaires importants qui circulaient dans mes entreprises, un beau jour, je me réveille, je dis, mais attends, tu es en train de perdre de l'argent. Je dis, bon, mais il faut baisser les salaires. Attends, Thierry, tu ne peux pas baisser les salaires comme ça. Et notre train de vie, qu'est-ce qui va devenir? Voilà, c'est ça les réflexions qui s'en sont suivies. En plus, le propre groupe d'appartenance, vos proches, vos amis, etc., à partir du moment où vous ne donniez pas, c'est des gens qui vous rejetaient, enfin. Ah, et donc, vous aviez l'impression de les perdre. Tout à fait. Donc, ça donne un sentiment de perdition absolument terrible, assez paradoxal, parce que l'argent, autant l'argent va fasciner, autant il va amener de la répulsion. Hein, donc, on est toujours dans une attitude assez paradoxale. On ne sait pas très bien comment se comporter. Et perdre son groupe d'appartenance, je pense que ça suffit suffisamment psychologiquement pour vouloir effectivement essayer de trouver soit sciemment le moyen de dépenser l'argent, un peu comme si c'était rassurant, on revenait à une situation de départ en fait, ou alors inconsciemment bah, l'argent file quoi, sans compter tous les gens qui effectivement vont en profiter et vont faciliter ça en roulant, ça c'est autre chose. Hein. Et quelle différence vous faites entre l'argent qui est gagné par hasard et l'argent qui est gagné par la force de son travail ? Alors, je pense qu'on est dans une société européenne ici où, effectivement, si on voit quelqu'un avec une grosse bagnole, on va se dire, il a volé qui ? Chez les anglo-saxons, quelqu'un avec une grosse voiture, on se dit, celui-là a réussi. On n'a pas du tout la même conception. Alors, je crois que quand il y a l'argent et le fruit d'un effort, on s'aperçoit néanmoins que les gens ont du mal à en parler. Hein, on voit bien que 47% seulement des Français acceptent de parler de leur salaire. Qu'il soit très haut ou qu'il soit plutôt bas. Qu'il soit haut ou bas. Ouais. Hein, je crois que dans notre société très influencée par une pensée judéo-chrétienne, l'argent égale plaisir, égale vice, égale quelque chose de sale, d'interdit quelque part. Hein, et c'est à la fois attraction et à la fois aussi répulsion. Alors que dans les pays anglo-saxons, on est plutôt dans le désir de faire fructifier. Et donc, ce n'est pas culpabilisant, au contraire, c'est le signe de la réussite. Mais Jeanne Masse, qui a vécu entre la France et l'Italie, dit la même chose. C'est exactement pareil. Ah oui, c'est important, ce n'est pas les anglo-saxons là-bas. Hein. Non, pas du tout, non. Mais là-bas, quelqu'un qui réussit est quelqu'un qui gagne de l'argent, et ça paraît normal aux yeux de tout le monde. Mmh. Et voilà, c'est tout simplement le symbole de la réussite. Et en France, comment vous l'avez vécu, vous, dans le regard des autres, quand vous avez commencé à gagner beaucoup d'argent? En France, je fréquente pas énormément de personnes, donc j'ai pas vu vraiment leur. Mais c'est vrai qu'en fait, je crois que ce qui rend fou, c'est le manque d'argent, et ce qui rend les gens solitaires, c'est justement quand on gagne beaucoup d'argent. Je crois que lorsqu'on commence à gagner beaucoup d'argent, ça entraîne autour de vous des gens soit intéressés, soit une grande solitude par rapport à vos amis. Vous et l'avez tout vécu ça, ça? Moi, oui, parce que bon, quelque part, je faisais partie d'un groupe de filles qui était bon, vivaient toutes avec très très peu d'argent, et puis le jour où moi j'ai commencé à en gagner plus que les autres, c'est vrai que ça a marqué un écart où moi je me sentais quand même obligée de payer pour tout le monde et tout ça, donc il y avait quelque chose qui n'allait plus, et c'est vrai que ça nous a quelque part séparés. Qu'est-ce que l'argent vous a apporté positivement? Qu'est-ce que ça vous a permis d'accomplir à l'époque où vraiment ça quand on vend plus d'un million d'albums par exemple, ça rapporte beaucoup de sous, j'imagine. Oui, ça m'a vous savez combien à peu près? Non, combien non, parce que le temps de regarder mon compte en banque, il y avait déjà la moitié qui partait au fisc, donc ça fait toujours un peu...
60%. Ouais, mais bon, je m'en fous. Je veux dire, parce que bon... Non, mais c'est vrai, on va pas pleurer toute sa vie parce que le fisc prend sa part, quelque part, si ça peut aider les gens qui sont dans le besoin, je trouve ça entièrement normal. Donc, aujourd'hui, bon, je vis bien, j'ai deux enfants, j'arrive à leur donner tout ce qu'ils méritent et tout ce que j'ai envie de leur offrir. Donc, je me pose pas cette question. Puis moi, je suis quelqu'un qui gagne sa vie au quotidien, c'est-à-dire que j'aime me lever le matin et savoir qu'il faut que je bosse pour gagner ma vie. J'aimerais pas être née riche, entre guillemets, non pas parce que je crois parce qu'on ne donne pas suffisamment de valeur à l'argent par la suite et parce qu'on ne donne pas justement de valeur à la vie et au fait que chaque chose qu'on peut s'acheter, chaque chose qu'on peut se permettre, c'est un cadeau, je crois. Est-ce que c'est facile pour un artiste de... Une artiste. Une ministre. Je ne suis pas encore ministre, non, je reste artiste. Vous êtes déjà une artiste. De profiter sans flamber. Je veux dire, est-ce qu'on n'est pas tenté de flamber? Flamber, je ne sais pas, avoir un train de vie qui en jette, quoi. Non, mais moi, je n'ai jamais eu ce genre d'envie, tout simplement parce que d'abord, j'ai toujours été très raisonnable. Je suis une femme très, très raisonnable, malgré les cheveux rouges. Et en fait, non, je me suis toujours dit, bon, de toute façon, il y a une partie qui va partir au fils, et d'accord. Puis le reste, ben, moi, à partir du moment où j'avais c'est un gros paquet, même si on en prend une grosse partie, il en reste quand même pas mal, quoi, je veux dire. Tout dépend de ce qu'on attend de la vie et du bonheur. Moi, pour moi, le bonheur, d'abord, c'était de pouvoir finalement aller dans les magasins et m'acheter, comme toute femme, les fringues qui me faisaient rêver quand j'avais pas d'argent. Donc, c'est vrai qu'au début, j'achetais sans demander le prix. Et puis après, je suis devenue raisonnable. Mais j'ai jamais flambé. J'ai jamais flambé l'argent comme ça. Tout d'abord, parce que je j'ai pas envie. Parce que je trouve ça con, quoi. Vous nous avez dit qu'en fait, on comprend la valeur de l'argent quand on en a moins. Et ce que j'ai dit au début de l'émission, c'est-à-dire qu'avant, vous aviez quoi? Vous n'aviez pas conscience du tout de ce que représentait l'argent? Vous refusiez d'en avoir conscience? Science? Alors, moi, quand j'ai débuté, avant de débuter, il faut savoir que bon, j'ai eu une période galère et que j'étais très contente en Italie quand j'arrivais à la maison et que je comptais 1000, 2000, 3000, 4000 à lire et j'avais l'argent devant moi et je me disais, oh, demain, je vais pouvoir m'acheter ça et ça. Mmh. Après, c'est vrai que lorsque j'ai réussi, j'avais pas 1000, 2000, 3000, j'en avais un petit peu plus, mais c'était que des chiffres comme ça sur un compte. Donc, c'était beaucoup plus abstrait. Et j'aurais voulu être plutôt Picsou qui rentre dans une grande caisse verte avec plein de lingots d'or, des pièces d'or, ça doit faire rêver. Bon, c'est différent, hein, le rapport avec l'argent. Après, c'était quoi votre question déjà? La question, c'était qu'on se rend compte de la valeur de l'argent, en tout cas, on prend conscience de la notion de l'argent quand on en a moins, au moment où on en a beaucoup. Oui, quand j'ai commencé à en avoir beaucoup moins, surtout quand j'ai commencé à gagner beaucoup moins d'argent, alors là, je me suis dit, aïe, là, il va falloir faire attention. Là, ça a marché très fort pour moi, puis ça a commencé à marcher beaucoup moins fort pour moi. Et donc, à ce moment-là, j'ai gagné beaucoup, beaucoup moins d'argent. Et c'est là qu'on se dit, ah bah oui, ça ne pouvait pas durer toute la vie, en effet. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais vivre autrement, ou alors, bon, aujourd'hui, je demande le prix avant d'acheter les fringues. Vous n'en avez pas souffert, visiblement, enfin, vous écoutez comme ça. Non, mais pas du tout, justement, parce que je ne suis pas accro. Aujourd'hui, je continue à vivre bien. Je dépense de l'argent par période, parce que quand même, l'argent est fait pour être dépensé. Ouais. Sans ça, quel plaisir d'en gagner. Et puis non, je vis bien, parce que je vous dis, l'important pour moi, le bonheur aujourd'hui, c'est de voir mes enfants en bonne santé et de pouvoir leur payer plein de cadeaux à Noël, les faire vivre dans une jolie maison et tout ça. Et pour moi, le bonheur, il est là. Tout en leur inculquant des valeurs particulières vis-à-vis de l'argent? C'est-à-dire que mon fils, à chaque fois, à chaque fois qu'on va faire les courses, il veut toujours un joujou. Et je lui fais comprendre quand c'est trop cher. Bon, d'abord qu'il l'a mérité. L'a-t-il mérité ou pas assez? Et puis, j'essaie de lui faire comprendre qu'on ne dépense pas de l'argent comme ça en vrac. Et que je ne le gagne pas non plus en vrac comme ça. Et que s'il veut voir sa maman plus souvent, faut aussi que je dépense un peu moins. Sans ça, il faut que je parte en tournée plus longtemps. D'accord. C'est clair, ça doit le comprendre, ça. Ah, ça, il l'a surtout compris. Rapporté en nombre de jouets, normalement, la règle de 3 se fait rapidement. Ouais. Frédéric Paul, dans votre jeunesse, quelle place occupait l'argent? Je veux dire, qu'est-ce que vos parents vous ont inculqué, vous, comme notion de valeur? Alors, à propos de l'argent? J'ai été élevé par ma grand-mère, et après le décès de ma grand-mère, je me souviens que j'avais été choqué quand on m'a dit non. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Vraiment. À quel âge vous aviez quand elle est... J'avais pas tout à fait 14 ans, je voulais une mobylette, on m'a dit non. Ça alors, non, je n'en revenais pas. Mais sinon, ma grand-mère m'a élevé
Elle m'a bien élevé en ce sens qu'elle m'a gâté, mais elle m'a appris à tout donner. C'est-à-dire que j'avais des jouets, mais voilà, quand tu t'en sers plus, tu donnes. Il faut donner, il faut pas. Elle m'a un peu gâté pourri, mais bien, vous voyez. Tourner vers les autres, quoi, ouais, pas pour tout garder pour soi, quoi. Ça, c'est très important. Généreux, ouais. Pourtant, j'étais fils unique. Ouais. Je suis né 4 jours après la mort de son mari. C'est pour ça qu'elle s'est un peu jetée sur moi. Et non, mais je veux dire, c'est une image. J'étais bien élevé, je veux dire, j'aurais pu mal tourner. D'accord, mais quand on est enfant, on se rend compte qu'on a beaucoup d'argent par rapport aux autres? Oui, par des petits détails. On voit exemple, que. Ouais. Des petits détails, on voit qu'on voit chez des amis, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de. C'est petit. Mais je veux dire, c'est. Ah bah, demande à ta bonne, j'ai pas de bonne. Oui. Mmh. Ah bon, t'as pas de bonne. des trucs, c'est idiot, mais c'est pas méchant de la part d'un enfant. Mais ah tiens, on se rend compte petit à petit sur des. Mais ça fait prendre conscience d'une certaine réalité que... Oui, que j'étais dans un milieu relativement privilégié. Oui. Ouais, relativement, oui. Comment vous avez rencontré Anna? Je l'ai rencontrée à un grand dîner à Monte-Carlo. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez comparé vos comptes en banque avant d'aller plus loin? Non, pas du tout. Mais si vous voyez, je me doutais qu'à ce dîner, il n'y avait pas beaucoup de smicards. Mmh. Et je ne savais pas du tout... Je suis tombé sous le charme de mon épouse. On a été placés par hasard. Enfin, on a appris après que ce n'était pas le hasard. Ah, qu'on vous a arrangé ouais. le... Mais on ne se connaissait pas, hein, vraiment. Ouais. Alors, je l'ai invité à Paris. Je l'ai d'abord fait venir dans un studio, bon, un peu... Ensuite, à deux pièces. Je l'ai travaillé dans une voiture un peu pourrie que j'avais pris à quelqu'un qui travaille pour moi. Et... Mais c'est oui, pourquoi? Parce que bon, et... Ben pourquoi? Pour être sûr que vous étiez apprécié pour vous-même et pas pour votre argent, quoi. Voilà. Et vous saviez qu'il avait de l'argent ou pas, vous? Je n'ai pas pensé à ça. Ah bon? Pourquoi pas? Je ne sais pas, question d'argent, pour moi, ce n'était pas la chose principale. Oui. Mais vous auriez pu épouser quelqu'un qui n'avait pas d'argent du tout? Absolument. Vous aussi? Impossible. Hein? Impossible, oui? Non, je dis ça en rigolant. Ouais. Bien sûr. Mais non, mais bon, c'est... Vous auriez pu, vous marier avec quelqu'un qui n'avait pas oui, d'argent? Oui, certainement. Je vais vous raconter, ma première épouse était assez fortunée. Et je suis tombé amoureux d'une fille pauvre. Mais réellement pauvre. Oh mon Dieu! Et, et j'ai. Vous étiez marié à l'époque? J'étais marié, oui. Ouais. Donc, gros problème, parce que dans mon milieu, on ne divorce pas comme ça. C'est, vraiment, ça a été un gros problème pour moi. Et c'est là où, tout à coup, je me suis rendu compte que merde, je n'aimais pas ma femme. Je l'aimais beaucoup, mais je ne l'aimais pas. Et je me retrouvais chez une autre femme, dans un petit truc pas terrible, mais heureux. Heureux. Et c'est là où j'ai vu qu'effectivement, bon, l'argent... Pourquoi vous n'êtes pas marié avec celle-ci? Anna, avec tout le respect qu'on a pour vous, évidemment. Parce que... c'est trop compliqué. Parce que, si vous voulez... Et pour des raisons d'argent ou pas? Non, on va dire pour des raisons d'éducation. Puis parce que je pense que ce qui m'attirait chez elle, c'était l'interdit. En fait, que j'étais marié... Vous n'étiez pas profondément amoureux, quoi. Si, quand même. Ouais. Parce que là, vous dites que vous étiez amoureux plutôt de la situation, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, là? Non, mais... Vous ne saviez pas? Ah, d'accord. Si, elle le savait. Ouais. Elle dit que non. Si, mais elle le savait très bien, alors. Bah, elle dit que non. Non, je t'ai dit que non. Vous êtes mariés depuis combien de temps, maintenant? Ça va faire 5 ans dans quelques jours. Est-ce que l'argent, néanmoins, demeure un aphrodisiaque puissant? Non, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est un peu, quand j'écoute, on est un peu éloigné des réalités, quoi. Mmh. J'aimerais beaucoup qu'Anna achète des robes de soirée au même prix que madame et qu'elle aille en Bulgarie et non pas chez Bulgarie. C'est amusant. Qu'elle aille faire ses courses ailleurs que la place Vendôme. Enfin, oui, bon. Mais c'est comme ça, si vous voulez, je vois bien que. Et j'aime ça, c'est merveilleux, je trouve, elle me fait rire. Alors vous roulez parfois en scooter, Frédéric Paul, parfois en grosse et belle voiture. Vous allez aussi dans les hypermarchés, même si ce n'est pas le lieu préféré d'Anna, d'après ce qu'on a pu comprendre, qui vous accompagne quand même, qui elle préfère les boutiques un peu plus luxueuses. C'est un reportage de Gilles Coudert et de Stéphanie Guérin. Pourquoi vous avez quitté cet endroit? Vous avez déménagé?
parce que trop bruyant, et puis on a trouvé mieux, plus grand, plus haut, plafond, plus grand standing, plus agréable à vivre et surtout plus calme. Mais superficie ici ? Ici, il n'y a pas énorme, il y a 300 et quelques, 300. Ça vous paraissait trop petit, ça, déjà, à l'époque, ou... Non, trop petit. Puis c'était mal foutu, c'est-à-dire que la cuisine est trop au bout. Le week-end, quand il n'y a pas de personnel... Non, c'est pas pratique, comme appartement. Voilà. La cuisine était tout au bout du couloir. Alors ? Ah, ben alors, il faut... Une chambre. Notre chambre. Donc, la cuisine est là, et c'est... Franchement, c'est trop loin de... Enfin, ça paraît idiot, mais c'est vrai qu'on va chercher quoi que ce soit au réfrigérateur. Il faut presque 2 minutes pour venir et c'est pas pratique. Toi, t'as toujours la carte d'ici. Là, c'est fini le scooter, hein, Frédéric. Oui, là, oui. On va dîner chez des amis. Vous allez faire les courses avant ? Oui, et puis ensuite, on sort dîner. Donc, quand on va rentrer, il va faire froid. Et s'il pleut, je préfère être en voiture. Hop ! Ça ne gêne pas l'image que vous véhiculez, justement, ce genre de voiture ? Non, c'est des voitures assez classiques. Dans Paris, on en voit quand même pas mal. Mais effectivement, il y a certains jours de la semaine, comme le vendredi soir et le samedi soir, où il vaut mieux pas sortir avec. Parce que c'est le vendredi soir et le samedi soir, il y a une faune qui arrive à Paris qui n'est pas forcément sensationnelle. Donc il y a des quartiers à éviter pour ne pas se faire agresser, insulter ou... Puis c'est pas la peine de provoquer non plus. C'est une jolie voiture, mais je pense que c'est pas extraordinaire. Anna aime bien les intérieurs cuir. Oui, mais bon, une semaine, c'est bien. Après, on s'habitue, on voit pas dans quelle voiture on est. Hein. N'est-ce pas? Bah, disons que là, on voit qu'on est dans une voiture spacieuse et agréable. Oui, mais bon, on fait pas attention. Voilà, on fait plus attention. Voilà. Donc quand on l'a eu, on était content la première semaine, et puis après... Bah oui. Après, c'est devenu comme une autre. Ça va? Assieds-toi. À ta droite. Tu me là, regardez là. Là-bas? Comme tu veux. Comme tu en face de moi, je te vois mieux comme ça. Voilà. Il commande en général, comment ça se passe? Non, il commande pas. Non. Il a pas besoin de commander, on sait ce qu'il prend. Oui, c'est aussi un avantage, c'est que je n'ai pas à perdre du temps avec la carte. On m'apporte directement mon plat. Voilà. Foie gras et purée pommes de terre. Escalope de foie gras de canard poêlé avec une... Non, puis c'est excellent, excellent, excellent. Merci. Un jour, j'étais écœuré, donc j'ai arrêté d'en manger tous les jours. Maintenant, j'en prends, on va dire, une fois par semaine. Enfin, sinon, on est vraiment, vraiment écœuré. Mais celui-là... Vous n'avez pas un peu l'impression d'être un peu déconnecté de la réalité ? Moi qui habite la banlieue... Quelle banlieue ? Neuilly-sur-Seine. Hein. Ben, c'est pas si terrible que ça, la banlieue. Moi, je pensais toute une idée incroyable de la banlieue. Ben non, finalement, c'est pas mal. Hein. C'est voilà, monsieur Harris. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des amis pauvres ? Oui, bien sûr, oui, j'en connais, mais ils sont très sympas. Quand ils vous demandent pas d'argent, ils sont très sympas. Hein. Alors, il faut effectivement faire très attention, parce que quand ils vous demandent de l'argent, vous leur donnez, parce que après. S'ils ne peuvent pas vous rembourser, ils en arrivent, eux, à vous faire la gueule. Alors, non seulement vous perdez l'argent que vous leur avez prêté, vous perdez les amis. Donc, il faut être assez sévère avec eux, si vous voulez les garder comme amis. Et qu'eux ne vous gardent pas comme amis par intérêt. Non, il dit juste ce qu'ils pensent. C'est pas, tout le monde a sa opinion. C'est pas, ça peut devenir provocateur, peut-être, mais c'est juste... Mais il le pense vraiment, pensez-vous ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il est très honnête. Ah oui. En général, je dis toujours ce que je pense. Il peut y avoir une pointe d'humour, hein, mais bon, je dis ce que je pense. C'est quoi, très mal perçu. Oui, et par qui? Par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Hein. Enfin, je m'en fous pas, mais je veux dire, je les vois pas. Enfin, les gens, sans me connaître, et on rigole bien. Sans me connaître pas, et on perçoit pas l'humour qu'il peut y avoir dans certaines provocations. Et puis tant pis, hein, après tout, je suis pas obligé de faire ma vie avec tout le monde. Hein. Hop. Merci. Eh bien, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous regardez la scène quand même ou pas ? J'ai pas regardé.
Mais il m'arrive de le regarder. Eh bien, à très bientôt, monsieur Harris. À la prochaine. Au prochain plaisir. Vous avez vu bien ça? Je ne sais pas, oui. Enfin, Anna, elle me prend tellement. Enfin, je préfère d'autres magasins, mais bon, ici, il y a un parking, c'est pratique. Et ce n'est pas les prix les plus chers. Ce qui a le don de me mettre de bonne humeur. Non, ça, c'est pas bon. Tu prends. Tu arrives à la caisse. Tac, 2000 francs. C'est sérieux ce qui m'arrive? Ouais, parce que tu achètes n'importe quoi. Mais c'est pas grave, parce que je me dis c'est pas cher. Il n'y a pas de belles choses ici. C'est pas tout ce qu'on voit ici, c'est pas élégant, c'est pas joli. Chose, c'est qu'il n'y a pas de choses chères. Et il y a des choses, rapport qualité-prix, qui sont très bien. Mais Anna ne veut pas l'admettre. C'est pas ça. Les couches culottes Hermès et les Tampax Gucci, ça existerait, elle achèterait ça. Mais ça me fait rire, c'est ça le pire. C'est que, comme je prends tout au second degré, ça finit par me faire rire. Elle est d'une telle mauvaise foi que je trouve ça adorable. Mais bon, voilà, puis il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Moi, j'aime bien, on m'explique tout. C'est quelle taille, jusqu'à quel âge. Si on personne qui m'explique quelque chose. Bah, pourtant, hein, j'ai la queue snob. Alors, une culotte à 500 balles, ça me la coupe. Hein. Vraiment, ça me... Ah. Je ne peux plus l'enlever, là. Non, mais vraiment, je trouve ça tellement... c'est excessif, ouais. Quoi. Ouais, vraiment. De façon à ce qu'il termine à ce niveau-là, sous les petites franges. Celui-là, il se repasse en cabine. Comment ça a fonctionné, là, il a eu un coup de cœur pour cette robe. Là, c'est un gros coup de cœur. Sans fait du prix avant d'acheter ou pas? Non, elle a dit que non. Du tout, elle a vu le modèle, essayé, c'est parfait. Elle le prend. Ça serait trop. 6890. Moi, je pense qu'elle va être contente. Elle est contente de prix, là? Merci, bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Bonjour. Monsieur Harris. Sandrine Berger, Marc-Hervé. Moi. Bon, donc vous venez pour me proposer de l'argent ou me demander d'en placer? Alors déjà, il faut qu'on voit comment, quelles sont vos attentes et ce dont vous avez besoin déjà. Mm-hmm. Vous trouvez quelque chose de bien? Oui. Non. Alors, si on fait le calcul, Sandrine. Voilà. Mon épouse, qui aime beaucoup les banques. Ah. Ouais, tu as trouvé quoi alors? Ce que je cherchais. Bon. Tu veux bien voir? Oh non, je te fais confiance, hein, Non, mais c'est pas ça, c'est que tu veux. Tu diras si tu veux ça moins de temps. Moi, ce que je veux savoir, c'est le prix. Pas cher. Pas cher. Bon. Pas cher, ça doit être moins de 10 000. Moins de 10 000? À côté, oui. Bon, à côté, c'est mauvais signe. L'argent, c'est quelque chose d'important pour vous? Vous pourriez même vous arrêter de travailler si vous le vouliez. Oui, et c'est sûrement pour ça que je travaille avec plaisir. Parce que ce n'est pas une obligation. Et ça pour... Vous savez, les interdits, dès que quelque chose est interdit, j'ai envie de le faire. Bon, ben là, vous voyez, j'ai pas envie de m'arrêter puisque je peux m'arrêter. On vaut l'intérêt. Ouais, reportage de coup d'air. Qu'est-ce qu'il y a, Anna? Tu faisais une drôle de tête, là. Non, ça va, c'est moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah non, je sais pas, non, rien. Non, tout va bien. Vous possédez donc un cabinet de gestion de fortune, c'est ça, en fait, l'activité de votre cabinet? Oui, enfin, qui gère, pas celle des autres, juste la mienne, ça suffit. Ouais. C'est du boulot, ça. Ouais. Non, mais je me disais, quitte à choisir une activité, peut-être que vous auriez pu choisir une activité plus rigolote. Mais j'ai d'autres, L'activité pour le plaisir, je veux dire. J'ai une activité de marchand de biens, qui est très intéressante, lucrative, amusante, comme du Monopoly, c'est vraiment très sympa. Gagner de l'argent, ça vous amuse? Je veux dire, c'est comme le Monopoly, c'est comparable. Écoutez, c'est... oui, je peux vous dire que j'aime pas ça. Hein. Ouais. Je trouve ça agréable, et puis de réussir une opération. Je pense que j'ai commencé à penser à travailler suite à une brouille avec ma mère, pour lui prouver que je n'étais pas qu'un fils à papa.
Où commence la pauvreté pour vous ? Ah, écoutez, pour moi, la vraie pauvreté n'est pas en France. Enfin, la vraie, je veux dire, c'est en Afghanistan où les gens, vraiment, ça, vraiment, c'est la vraie pauvreté. Et quand vous parlez de la pauvreté, que les gens qui travaillent pour gagner leur vie sont des gens qui sont pour vous pauvres, ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous savez, tout est relatif. Hein, bien sûr. Que, bon, voilà. Oui, ils sont pauvres, mais je dis pas ça méchamment. Hein. Ouais. Peut-être un peu avec une pointe d'humour. Oui, c'est vrai, ils doivent compter. Voilà. Devoir compter, c'est pour moi un signe de pauvreté. Mais vous comptez, vous aussi, pourtant ? Quand oui. Vous lui demandez combien mais elle a dépensé. Mais c'est plus par principe, en réalité, qu'autre chose. Quoi. Principe de quoi ? Principe, parce que sinon, elle ferait n'importe ouais. Quoi. Hein. Vous savez, je l'ai déjà lâché dans la nature. C'était effrayant, mais drôle, tellement c'était effrayant. Mais elle a de l'argent, elle aussi, elle peut faire ce qu'elle veut, non ? Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison. On ne doit pas foutre en l'air. Ma grand-mère ouais. M'a appris à ne pas mettre par les fenêtres. Vous en pensez quoi, Anna, vous ? Vous avez l'impression de faire n'importe quoi, parfois ? Non, pas du tout. Mais voilà, tout est relatif. Je ne vois pas de même façon. Voilà. Vous les voyez les choses de quelle façon, vous si j'ai envie d'acheter quelque chose, si j'ai des moyens, pourquoi pas ouais, vous parce avez que un... ça m'empêche. Vous marchandez les prix Vous négociez les prix Oui. Oui, ça m'arrive, oui. Pourquoi pour des gros sons, oui, pour des bijoux, quelque chose. Mais si vous avez l'argent, à quoi ça vous sert de marchander ? Je sais pas, c'est amusant. Et c'est en plus, amusant. On arrive toujours et on sait qu'on peut, marchander à Paris. Vous marchandez, vous aussi ? Ça vous arrive ? Oui. Quand vous achetez quoi, par exemple ? Quand j'achète un immeuble, je marchande. Hein. Si je peux gagner 1 million ou 2 millions, c'est quand même pas mal. Hein, je veux dire, bon, la baguette, je marchande pas. Oui. Par contre, la grosse voiture, vous marchandez ? Non, je ne l'ai pas marchandé. Enfin, si, mais rien. Quoi. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que votre mari est un peu radin parfois ? Oui. Ah oui ? Oui. Quand, par exemple ? Je ne sais pas, même quand il me demande combien ça coûte. Oui. Je trouve ça normal. Quoi. Sinon, pour aller, écoutez, quand on calcule un dîner. Quand on calcule tout, une robe, des pompes, machin, le dîner, alors ça me coûte, je pense, entre 10 et 15 000 balles le dîner. Et chaque fois. À chaque dîner Non. 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 Alors, si je ne disais rien, oui. Ah, d'accord. Alors, quand je et Anna, il est en train de dire alors. Et alors Bah oui, non, mais je veux dire, c'est pas. Il y a. Je sais pas, c'est mon éducation qui a. Qui, voilà. Voilà, on n'a pas les mêmes éducations. Ouais. Les Russes claquent. Les Russes claquent. Oui, ça. Moi, quand je jette l'argent par la fenêtre, c'est que ça tombe dans mon jardin. Il est très caustique. Anna, vous n'avez pas envie de travailler, vous, pour le plaisir Oui, j'essaie. Ah oui, alors. Mais vous je suis pianiste, je suis musicien. Vous êtes musicienne. Voilà. Et je joue à la une maison. Une artiste, une musicienne. Voilà. Ouais. Je joue à la maison. En plus, là, j'ai une petite fille. Ouais. J'essaie de travailler, mais bon. Le piano oui, Non. Voilà, je voulais travailler pour gagner l'argent. Ouais. Vous avez essayé Oui. Et alors, ils ne vous ont pas pris Non, ils ont pris. 2 mois, j'ai travaillé. Vous avez fait quoi comme travail J'ai travaillé dans une boutique. Mais bon, ils ont été. Ça ne m'a pas amusé. Ça ne vous a pas amusé Non. Donc c'est vous qui êtes parti Oui. Elle a travaillé 2 mois. Oui. Le week-end, hein, c'est-à-dire un jour par semaine, dans une boutique de luxe. Et à la fin, oui, ça ne l'amusait plus. 2 mois, ça veut dire en fait 8 jours, quoi. Oui, voilà. Ouais. Mais ceci dit, elle a été très consciencieuse. Et moi, je voulais qu'elle fasse quelque chose. Bon, même quelque chose de bénévole, mais qu'elle ait quelque chose à... Qu'elle s'occupe, c'est ça ? Elle s'occupe, elle va au Ritz, enfin machin, piscine. Mais pour moi, c'est pas une occupation et je préférerais... Non, mais même intellectuellement, c'est toujours bien de rendre service. Je suis pianiste, je joue à la maison. Voilà, pour lui, la musique, c'est pas un travail pour moi, si. Est-ce que votre argent fait votre bonheur, vous pensez ? Ah ouais. Sincèrement, oui. Ouais. Ouais. Vous avez estimé votre fortune ? Vous savez à peu près à combien elle correspond ? Bah écoutez, en ce moment, je ne regarde pas parce que la bourse descend. Donc ça me déprime. Ouais. C'est dingue.
Alors, je préfère pas regarder. D'accord. Enfin, vous avez une idée globale? Oui, bien sûr, j'ai une idée. Là, pour que je parte, c'est suffisamment important pour avoir une imposition à plus de 60%. Ouais. Donc. Vous partez pas à cause des impôts, quand même. Surtout, ce qui est surtout très grave aujourd'hui, c'est que ce sont nos jeunes qui s'en vont à l'heure actuelle. Ouais. Et qui s'en vont beaucoup en Angleterre, etc., etc., compte tenu de la fiscalité actuelle. Et dans quelques années, on va le payer très cher. Ça, c'est dommage. Ouais. Moi, personnellement, je vais vous dire autre chose. Je n'ai pas sa fortune, on en parlera tout à l'heure. Je suis aisé. Ça s'arrête là. Mais si je n'avais pas 58 ans et mes enfants et mes petits-enfants en France, je serais parti aussi. Je partirais aussi. Ouais. Non, vous êtes très aisé, monsieur. Enfin, sachant que tout est relatif, vous êtes très aisé. Je suis aisé. Depuis quelques années, vous avez quand même ce qu'on appelle une fortune. Même parcours. Quoi. La seule chose commune que nous avons ensemble, ce sont les contrôles fiscaux. Moi, j'en ai eu que 7. Ma famille et moi. Ouais. Mais si vous voulez, moi, mon parcours est complètement différent, puisque mes parents étaient ouvriers, donc ça n'a strictement rien à voir. Je suis du Nord, j'ai vécu dans les HLM du Nord. Personnellement, dans ma vie, j'ai eu une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'ai eu un père chômeur à 50 ans. C'est devenu chômeur à 50 ans? Oui, ouais, je sais. Par la société pour laquelle il travaillait, qui s'est cassé la figure. Et ça, c'est une chose qui marque un jeune. J'avais 16-17 ans, je peux vous dire que c'est quelque chose. Et donc, vous avez couru après l'argent toute votre vie? J'ai eu la chance que j'étais jeune, déjà au départ, de m'intéresser au sport. J'ai été ce qu'on appelle, actuellement on appelle ça comme ça, sportif de haut niveau, si je peux dire, en escrime. Et ce sport, ça m'a conforté dans la vie. Ça m'a obligé, ça m'a peut-être empêché, si je peux dire, à un moment donné, dans les quartiers où je vivais, peut-être de je dirais pas de mal tourner, mais pas loin. D'accord. Vous nous raconterez ça après le témoignage de Roland Moreno, à qui j'ai demandé de venir nous rejoindre, avec sa Légion d'honneur. Bonsoir Roland, sous les applaudissements du 102. Vous êtes riche, Roland. Vous êtes riche, Roland. Financièrement, je veux dire, sans jouer sur les mots. Je suis censé, oui. Mais ça s'exprime comment? Là, en l'occurrence, en millions de francs, en centaines de millions de francs, en ce qui vous concerne. Je pense que vous confondez le nombre de millions de cartes et le nombre de millions de francs. Alors moi, les informations que j'ai, c'est que vous avez effectivement inventé la carte à puce, qu'on retrouve dans nos cartes bancaires, qu'on retrouve dans nos cartes téléphoniques, qu'on retrouve dans les portables, que cette invention a généré beaucoup de bénéfices qui sont allés vers une société dont vous détenez 99% des parts de cette société et qui a généré 700 millions de francs de royalties. C'est exact. Donc il y a 700 millions de francs sur votre compte aujourd'hui? Mais non, parce que ça a pris 27 ans. Ah oui. Ça n'arrive pas d'un coup, c'est une très très longue patience qui consiste à modifier la façon dont les gens échangent de l'argent. Et c'est vrai que moi je me sens à l'aise dans cette émission parce qu'il n'est question que d'argent. Et ma carte, elle ne sert qu'à l'argent. Simplement, il faudrait maintenant qu'elle fasse mieux que ce qu'elle a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire remplacer les jetons de téléphone, remplacer les cartes... Vous êtes un obsédé, donc... les cartes de crédit, etc. Ouais. Comment vous vivez? Je vis tout à fait normalement, je vis sans me priver de quoi que ce soit, mais je n'ai pas du tout de goût coûteux. Je pourrais avoir, une, deux, trois, cinq maîtresses à qui offrir des bijoux. Ce serait une bonne façon de faire fuir l'argent. Ça ne s'achète pas forcément, hein, quand même, Roland. Non, hein. Non, mais vous pourriez avoir 2, 3, 4 châteaux, vous pourriez avoir, des voitures, si vous aimez les voitures, des avions, faire des voyages tout le temps. Non, ça vous plaît pas? J'aime pas les voyages, j'aime pas les fringues. Ouais. Et ce que j'aime n'est pas coûteux. Ce que j'aime, c'est presque exclusivement le piano. Ah donc ce que j'ai de plus cher, c'est un piano qui vaut 70 000 francs. Et vous vivez dans quel espace, par exemple? 50 mètres carrés. Et pourquoi pas vivre dans un espace plus grand? Vous en avez pas besoin? Non, j'occupe ma place un petit peu... pour la même raison que je ne suis pas allé m'établir à l'étranger ou aux États-Unis, la France est tellement fantastique, j'aime tellement ce pays que je n'en ai pas encore fait le tour. Et mon appartement, je n'en ai pas encore fait le tour. Donc je n'ai pas spécialement besoin qu'il soit plus grand. Vous n'avez pas fait le tour de 50 mètres carrés, vous? Non. Ah. Vous déplacez lentement, alors, quand même, Roland. Vous pensez vite, mais vous marchez lentement. Vous êtes radin? Non. Économe? Pas du tout. Non, vous n'êtes pas dépensier, en tout cas, quoi. Si, je suis très dépensier. Ah bon? C'est-à-dire que je ne regarde pas les prix. Je sais pas, en ce moment, je suis en train de me faire une folie. Je vais m'acheter un nouveau Macintosh alors que j'ai déjà le plus puissant. Arrêtez avec les marques de ce moment-là. Ouais. Non, mais c'est pas moi, c'est la loi. Mais sur TF1, on peut. Oui, d'accord. France 2 n'est pas privatisée, hein, je signale.
Et sur TF1, on ne peut pas non plus dire. Comment vous exprimez votre richesse au quotidien? Comment elle s'exprime? Comment vous dépensez de l'argent? Bon, d'accord, un ordinateur, ok, un piano. Quoi d'autre? Ben, ça ne va pas beaucoup plus loin, parce qu'il faudrait que ce soit des billets d'avion pour aller faire le tour du monde, ou aller passer un mois aux Seychelles ou aux Maldives, etc. Bon, ça ne me branche pas. Donc, qu'est-ce qu'il devient, cet argent? Il est recyclé dans la société, par exemple, pour un projet qui me tient très à cœur, qui est le projet Generis, connu par certains, qui consiste à créer une nouvelle carte bleue de générosité, c'est-à-dire avec un mécanisme automatique de mise de côté des pièces de 1 franc. Ces pièces qu'on ne se baisserait pas pour ramasser et qui vont pouvoir circuler dans un circuit caritatif. Alors, il faut amorcer ce genre d'application. La carte à puce a pris 17 ans avant d'arriver dans nos poches. Et là, je peux donner ce genre d'amorce. Et quand les grosses sommes d'argent sont arrivées sur votre compte, est-ce que ça vous a un peu chamboulé? Qu'est-ce que vous êtes dit? Oui, c'est vrai. Je me souviens très, très bien un jour d'avoir vu passer 11 millions. C'est la somme la plus grosse que j'ai jamais vue passer. Ça vous a fait quoi? Ben, je me suis posé la question de combien de pianos je pouvais m'acheter. Ouais. Vous convertissez en piano, quoi. C'est une escompte. Ouais. C'est une monnaie, hein, comme une autre. Ouais. Sauf bien les motos, hein. Ouais. Une monnaie comme une autre. Enfin, en tout cas, une façon de calculer. Et pas plus que ça. Vous avez deux enfants? Vous avez deux filles? Oui, deux filles de 19 et 22. Ouais. Elles sont élevées dans quel esprit par rapport à l'argent? Pas des gosses de riches. C'est-à-dire que... C'est-à-dire, elles ont de l'argent de poche... Elles n'ont pas de voiture, d'appartement, choses comme ça, quoi. En vous souhaitant la plus longue vie possible, un jour, elles risquent d'hériter d'une grosse somme d'argent, quand même. Alors là, je suis très contre. Un jour, j'avais répondu à une interview du Figaro, et j'avais dit que j'allais tout donner au Resto du Cœur, pour qu'il n'y ait en aucun cas des gens qui se réjouissent de ma mort. Donc j'avais imaginé de déshériter mes filles de cette façon-là. Alors ça a fait un énorme titre. Moreno, 2 points, je donne tout au Resto du Cœur. Mon avocat m'a téléphoné pour m'expliquer que c'était tout à fait illégal et que l'intention était peut-être sympa, mais qu'on ne pouvait pas et qu'il doit y avoir une filiation sanguine. Hein, il faut que ce soit vertical et non pas latéral. Et bon, voilà, mais ça fait une deuxième connexion avec le caritatif, ça, si vous voulez. Qu'est-ce que vous offrez comme plaisir? Vous avez parlé des pianos, des ordinateurs, du vin? Ouais. Mais le vin... On peut dépenser beaucoup d'argent dans une bouteille non, de vin. Non, mais je ne peux pas. Je trouve ça tout à fait détestable de mettre, par exemple, 1000 francs dans un truc qu'on va pisser 20 minutes après. Alors, vous plafonnez? Vous plafonnez parce que le bon vin a quand même un prix le plus souvent, même si on trouve des bons petits vins un peu partout. Il faut avoir soit une bonne oreille, soit un bon palais. Moi, je plafonne à 150 francs. Ah, oui, au-delà de 150 francs, je trouve ça immoral. Je vous trouve très triste. C'est triste quand même de voir quelqu'un d'abord qui désire ses enfants. Comment dire? Attendez, je ne peux pas les inventer. Il faut hurler de joie. Vous avez une chance magnifique, énorme de gagner autant d'argent. Mais profitez-en. Ou alors, si vous n'avez pas envie d'en profiter, faites-en profiter vos enfants. Pas d'appartement, pas de voiture. Je trouve ça insensé. Moi qui suis mère, je donnerais tout à mes gamins. Si j'avais votre fortune, non seulement j'aiderais mes gamins, ils seraient... comme des rois, mais en plus j'aiderais également des fondations, des gens qui sont dans le besoin. Je veux dire, je vous comprends pas. Je vois pas ça. Mais... Moi, ce que je comprends, vous voulez répondre? Ce que je comprends, c'est que vous voulez pas pourrir vos enfants, quoi. Oui, c'est ça, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a peut-être un juste milieu, entre. Bah, ça va, elles ont suffisamment d'argent de poche. Elles sont référencées comme étant certainement de la bourgeoisie aisée. Il ne me viendrait pas à l'idée d'en donner à des fondations, comme vous l'avez dit, parce qu'il faudrait... Vous avez tort, parce que l'ADAS a besoin d'être soutenue. Il y a la recherche également pour la lutte contre le sida. Il y a plein de choses comme ça, vous savez, qui ont besoin d'être soutenues. Ouais, moi, je synthétise tout ça dans les Restos du Cœur. De l'argent comme vous, quoi. Vraiment, hein. Pardon? Je synthétise tout ça dans les Restos du Cœur. Je trouve que c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Donc vous donnez au Resto du Cœur. Cette générosité et cette solidarité, c'est ça qu'il faut. Les enfants, c'est la vie. Ça n'est pas autre chose. Et alors, moi, j'ai 4 fils,
excusez-moi, mais je n'ai pas votre fortune, je suis aisé, ça s'arrête là. Je leur ai déjà donné, de mon vivant, en dehors de son partage, de ce que j'ai. C'est vraiment du chinois pour moi, tout ça. Cette histoire de droit de succession, je veux dire que ça dépend, je crois, beaucoup de la spiritualité qu'on a. En l'occurrence, je suis complètement athée, c'est-à-dire que je pense que je deviendrai vraiment poussière à l'instant où l'on passe, et donc le reste, je m'en fous. Et pourtant, est-ce que c'est pas cette sagesse qui consiste à se détacher des biens matériels que vous voulez transmettre à vos enfants à tout prix ? Mais je ne veux rien leur transmettre à tout prix. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Parce qu'on a l'impression quelque part quand même que vous bridez un petit peu ce que vous voulez leur dire. Mais pas du tout, elles ont l'argent de poche qu'un enfant de 18 ans ou 19 ans a normalement. C'est combien ça, Roland ? C'est 2000 balles. Par mois, pas par minute. D'accord. Thierry Gallois, pourquoi est-ce que certaines personnes qui ont beaucoup d'argent ont besoin d'afficher leur réussite financière et d'autres, au contraire, préfèrent qu'elles soient soit discrètes, soit ne pas dépenser du tout ? Mais je pense que le désir d'afficher, c'est parce que l'argent donne un certain respect, procure un certain respect, une certaine place sociale. Je pense que c'est ça qui est mis en avant. D'autres, au contraire, vont avoir plus tendance à cacher parce que quelque part, il y a peut-être un phénomène de honte aussi par rapport à l'argent. On ne doit pas trop afficher qu'on en a parce qu'on pense aussi à ceux qui n'en ont pas. Un peu d'eau, Sophie, s'il vous plaît. Ça se voit beaucoup chez les familles assez fortunées. Ne mettent pas l'argent en premier plan. Elles mettent plutôt la culture, la famille, les choses comme ça, plutôt en avant. Qui met l'argent en premier plan, hein ? Ben, je pense que je crois que les gens qui mettent l'argent en premier plan, c'est les gens qui cherchent justement absolument à avoir de la valeur avec l'argent et du pouvoir avec l'argent. Et qui cherchent vraiment à en avoir. Alors ceux-là mettent l'argent en avant, à mon avis. Serge, qu'est-ce que ça vous a apporté comme pouvoir, votre argent ? Je n'ai absolument rien changé à mon départ dans la vie. Bon, j'ai eu de la chance. Qu'est-ce que vous vous offrez pour vous faire plaisir ? Ce que vous appelez vos caprices ? Ah, bah écoutez, moi, j'ai une ferme. Comme je vous expliquais tout à l'heure, mon origine est plus que modeste. D'accord. Et je suis de la ville. Et mon grand rêve a toujours été d'être à la campagne. Donc j'ai une très grande ferme, superbe, c'est vrai. En Provence, oui, j'ai une centaine d'hectares, pour tout vous dire. Bon, et j'ai une dizaine de chevaux. Mais c'est pas des chevaux, vous savez, c'est pas... Hein, non, c'est pas non Hollywood. Plus, c'est pas non plus des... Non, mais c'est pas Hollywood. Ouais. Et lorsque je dis ça aux gens, et puis ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais avec tes chevaux ? Je les regarde. Ouais. C'est tout ce que je fais. Parce que depuis que je suis tout jeune, je les brosse aussi, bien évidemment. Mais parce que depuis que je suis jeune, j'ai rêvé de ça. Vous avez dit que la richesse crée des besoins. Oui. Lesquels ? Des nouveaux besoins. Bah, c'est pas compliqué. Et je pense que tous ceux qui sont un peu aisés, peut-être mis à part M. Moreno, vont le comprendre. Je vais vous donner un exemple tout con, que tout le monde l'a vécu. C'est que aujourd'hui, vous gagnez 1000 balles par mois. Vous vous dites, non d'un chien, le jour où j'en gagne 2000, quel pied ! Eh bien, c'est pas vrai. Parce qu'entre-temps, on se sera créé des besoins. Mais à 2000, le jour où on dit 4000, alors là, c'est toujours pas vrai. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des gens que je respecte et qui sont, non pas radins, mais économes, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, personnellement, j'ai de l'ambition. On a une affaire qui tourne fort, on ouvre beaucoup d'établissements. Mais si je n'espère pas quelque chose toujours de mieux, je trouverais que c'est grave, ça. Parce que ce qui est grave dans la vie, c'est ne pas toujours espérer être mieux. Oui. Quels sont les nouveaux besoins que vous êtes créés ces dernières années, par exemple, ces derniers temps ? Ouf. Un mois de chasse par an ? Pas un mois, non. Mais disons que je chasse en Afrique. 4 semaines. Non. Chasser en Afrique, oui. Je chasse en Afrique, quelques semaines par an. C'est la chasse au gros gibier. C'est mon grand plaisir depuis quelques années seulement. Oui. Avant, vous chassiez quoi Avant, je chassais l'argent, parce que j'avais pas un sou, tout simplement. Vous n'étiez pas chasseur avant ? Non, je pouvais pas. Vous savez, il y a des gens qui ont des revenus très modestes. Excusez-moi. Il y a des gens qui ont des revenus très modestes qui sont chasseurs. Bien sûr. Oui. J'ai commencé comme tout le monde au départ, en pleine, à tirer le perdreau. Puis après, on se crée ce stress, etc. Et maintenant, j'ai la chance de pouvoir aller en Afrique. Bon, c'est tout. Moi, je pense que l'argent, il y en a beaucoup pour certains. C'est une façade.
C'est de l'apparence, comme disait madame. Elle va dans le supermarché. Il n'y a pas de belles choses ici. Mais c'est quoi qui est beau dans la vie? Ça rejoint ce que disait monsieur Moreno tout à l'heure. S'il n'éprouve pas le besoin d'en dépenser, d'acquérir... Parce qu'il a des valeurs qui sont différentes par rapport aux représentations des autres, tout simplement. Vous m'avez demandé, Jean-Luc, hein, Jean-Luc Stéchène. Pardon, juste un instant. Oui. Quand vous disiez, oui, on veut faire des dons de son vivant, etc., peut-être par rapport à ce que disait monsieur Moreno, c'est tout simplement pour acquérir la valeur du travail. Moi, je veux dire, peut-être qu'en effet, mon père a réussi, parce qu'aujourd'hui, je sais que s'il m'arrive un coup dur, je ne manquerai jamais d'argent, parce que je trouverai dans tous les cas une solution pour trouver de l'argent. S'il faut que je bosse deux fois plus, je bosserai deux fois plus. S'il faut que je fasse des petits boulots, je ferai des petits boulots. Et dans tous les cas, je trouverai un job pour trouver de l'argent. Mais en attendant, il faut... C'est une question de tempérament. Hein. Mais tout à fait, mais oui, mais ce que je veux dire par là... Ou d'éducation aussi, elle est en train de me dire. Y a, tout à fait, il y a l'éducation qui a joué, puisqu'il m'a toujours dit, enfin, bon, je vais encore être à Cathy Carole, tout le monde va se marrer, mais bon, c'est un peu le militaire qui fait, je vais faire peur à un homme. Ouais. Bon, c'est un peu, c'était un peu ça, quoi. C'est, tu vas galérer, ma fille, mais... Mais en sens, il a réussi, c'est ça, ça. Et là, vous lui rendez hommage. Voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais à côté de ça, je me dis que dans tous ces petits excès de la vie tous les jours, il pourrait s'améliorer la sienne, déjà. Et tout le monde en sortirait bien plus heureux. D'accord. Vous envisagez déjà de comment vous ferez avec vos enfants, quand vous en aurez plus tard? Non. Non. Non, parce que c'est très compliqué. Je crois de toute façon que le métier de parent est l'un des plus durs métiers du monde. Ouais. Ça, c'est clair. Et pourtant, tout le monde peut l'exercer. Et voilà. Je demande à Sylvain Attal de venir nous rejoindre pour la conclusion, s'il vous plaît. Merci. Allez Sylvain, ça on vous intéresse? On est mis là qu'au pigeonnier. Oui, au pigeonnier, on a quand même un bon poste d'observation, demander à un chasseur qui est en face de vous. Non, c'est plus facile d'intervenir d'ici. Ouais. Oui, en fait, c'est drôle, mais c'est quand même une somme d'ennuis, l'argent. Ça attire beaucoup d'ennuis. Je ne dis pas que je me suis ennuyé, j'ai passé une bonne soirée, c'est pas ça. Vous parlez même... de ceux qui ont parlé de leur vie. Oui, j'ai entendu, en plus j'ai entendu une série de monologues. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'argent, c'est le rapport qu'on a avec l'argent, c'est un peu comme l'ADN. On a un peu sa propre fiche, son propre rapport avec l'argent. Et souvent, les gens qui sont intervenus, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sont intervenus par rapport à leur propre histoire. Des monologues, je ne veux pas dire que les gens radotent, mais c'est vrai. Bon. Donc je pense que l'argent, c'est ennuyeux. Mais en même temps, ce qui est difficile, c'est de ne pas le diaboliser non plus. J'ai l'impression aussi que Roland Moreno, qui dans son genre aussi... Ça l'ennuie d'avoir de l'argent. Quoi. Il veut imposer extérieurement une conduite, une attitude... qui est celle de quelqu'un qui n'en aurait pas, alors qu'il en a, ça l'ennuie d'en avoir. Hein? Il y a des gens qui sont ennuyés parce qu'ils n'en ont pas assez. Il y a des gens qui sont ennuyés parce qu'ils semblent ennuyés d'en avoir trop. C'est moins fréquent. Oui, mais ça existe. Hein? Ouais. En fait, qu'est-ce qu'il faut? C'est pas avoir d'ennui d'argent, pas être ennuyé, donc finalement, essayer d'y penser le moins possible. Évidemment, c'est valable pour chacun d'entre nous ici, c'est une façon de mesurer son propre pouvoir. Moi, dans l'émission que je fais, c'est pas le même argent, c'est l'argent public, mais c'est pareil, c'est la manifestation du pouvoir, hein, du pouvoir politique, donc c'est exactement la même chose. Donc c'est vrai qu'on a tous un peu de mal à sortir de cette espèce de grille où on se mesure par rapport à l'argent, les signes extérieurs de richesse, la façon de dépenser. Ouais. Mais tabou propre à la France, vous le ressentez, vous, en préparant votre émission? Oui, ben, il existe, mais en même temps, moi j'ai envie de dire qu'on a le droit de... On a le droit de ne pas dire combien on gagne, ça ne me choque absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment utiliser l'argent que... Mais le fait qu'on soit jugé par rapport à ce qu'on gagne, ça vous choque ou ça vous choque pas, ça? Bon, c'est-à-dire que ça doit être effectivement très désagréable d'être persécuté par le fisc, mais personnellement, il y a des injustices qui m'empêchent de dormir. Cœur, moi aussi. Pas celle-là. Donc voilà, il faut à nouveau, ça a été dit aussi très bien, il faut relativiser aussi là-dedans. Il y a des drames, on a vu quelques drames aussi dans l'émission, des drames par rapport à l'argent. On a vu des choses beaucoup plus anecdotiques. Ce qui en même temps... ça pourrit un peu tout, ça pourrit les relations familiales, parce que même l'argent vient s'insinuer dans les relations familiales. Donc évidemment, de ce point de vue-là aussi, c'est un peu embêtant. Bon, mais... Voilà, on va essayer de passer une bonne nuit quand même après ça. Ben oui. Méditer, en vérifiant ce qu'il y a sous le matelas quand même, pour être sûr que c'est toujours là. Je remercie à tous de vous être livrés avec sincérité. Je vous souhaite une bonne nuit, à mercredi prochain. Merci, bonsoir.